Je vais commencer par la fin parce que j'ai, en lisant, en me replongeant dans ce livre, La forêt invisible, je suis allé à la conclusion et je me suis dit finalement, je ne changerai pas un iota à la conclusion, et dire ça quand même 20 ans après la parution d'un livre, c'est une forme de satisfaction, on pourrait dire d'autosatisfaction à plusieurs, parce que ce livre est une œuvre collective. Mais dans la partie perspective donc, de cette fin, je disais ceci, et c'est un hommage que je rends à Françoise Rose et à Jacques Auvet qui sont ici doublement chez eux. Et donc, je disais cela. René Daumont, l'auteur avec Édouard David de la majorité des pièces du répertoire, a trouvé en la troupe de chez Cabotin, Damien, animée par Françoise Rose et Jacques Auvet, des interprètes infatigables qu'une région encore trop peu habituée à la gratitude culturelle, je pèse chacun des mots, devrait enfin charger d'un conservatoire de la marionnette. Voyez-vous que tout arrive. Et donc, voilà, donc je suis très heureux d'être dans ce théâtre superbe que je n'avais jamais vu et qui est donc l'aboutissement de leur travail, un couronnement de travail. Alors, qu'en est-il de la littérature picarde? Je vais parler de ce livre et surtout de la fabrication de ce livre, parce que je me suis dit, finalement, l'historique de la fabrication de ce livre est exemplaire. D'exemplaires, emblématiques de tout ce qui s'est passé en Picardie, de tout ce qui se passe encore en Picardie, des questions que pose la notion de littérature picarde. Et en relisant ce livre, donc, je me suis reposé ces questions et je vais faire non pas une causerie, mais enfin plutôt une forme de petite conférence, si vous voulez, entre une causerie et une conférence. Car je me suis un petit peu piqué au jeu. Cela dit, ce que je vais dire est assez simple, et voilà. Alors, je vais commencer par une réflexion liminaire. Je poserai comme postulat qu'avant la parution en 1985 aux éditions Trois Cailloux de la Maison de la Culture d'Amiens, du livre ayant pour titre « La forêt invisible » et pour sous-titre « Honneur de la Ligue », je tiens beaucoup au sous-titre, au nord de la littérature française, le Picard. Le concept de littérature picarde, naturellement, tout ce que je dis est discutable. Hein. D'abord, c'est mon habitude, vous me connaissez quand même suffisamment. Donc, discutable, ça veut dire qu'il est ouvert à la discussion. Et donc, j'espère qu'ensuite, naturellement, nous pourrons débattre. Et bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que j'avance. Donc, je disais donc que le concept de littérature picarde, avant ce livre, n'existait que de manière vague, indéfinie et non cohérente, soit par manque de réflexion et de vision, soit, ce qui n'est pas contradictoire, parce qu'il heurtait les consciences. J'en veux pour preuve les obstacles que j'ai alors rencontrés. Je prends le jeu du sujet, en quelque sorte, hein, parce que même si le travail était collectif, vous verrez ensuite que c'est aussi parce que j'ai tenu bon jusqu'au bout que ce livre a pu voir le jour. Mais d'ailleurs, je crois que toutes les grandes entreprises, enfin, toutes les œuvres qui sont destinées à marquer, sont toujours marquées par des contestations, des obstacles qu'il faut absolument surmonter. Soit ce qui n'est pas contradictoire, parce qu'il heurtait les consciences. J'en veux pour preuve les obstacles que j'ai alors rencontrés pour mener à bien mon projet. La résistance des obstacles n'eut d'égal que mon acharnement à en triompher. Ce fut une véritable épreuve initiatique, et c'est de cette épreuve que je voudrais vous entretenir, pour en faire l'historique, en analyser les raisons, en tirer les conséquences. Donc, première réflexion, au fondement des histoires de la Picardie, une question de principe. On devrait, commencer par un rapide coup d'œil aux multiples histoires de la Picardie antérieures à la date de 1985. J'en prendrai deux qui me semblent avoir été les meilleures. En 1974, paraît aux éditions Privas, dans la collection Univers de la France et des pays francophones,
une histoire de la Picardie sous la direction de Robert Fossier, le grand historien du Moyen-Âge à la Sorbonne, et réunissant d'autres historiens de l'université de Picardie, alors toute neuve, comme Paul Gerbeau, André Fiette et Jacques Godard. Là, j'évoque des noms, des silhouettes, des gens que vous avez certainement connus, et c'est un grand plaisir aussi de le faire, pour moi aussi. Sans oublier Roger Agache, j'ai envie de dire l'inévitable Roger Agache, l'archéologue. Si je vais voir plus particulièrement les chapitres de cet ouvrage qui concernent le Moyen-Âge, par exemple, la littérature figure dans un chapitre, au chapitre 8, intitulé « L'expansion de l'esprit, 12e, 13e siècle », dû à l'universitaire amiénois Jacques Godard, dont je revois très bien la silhouette, un peu étrange, un peu rêveuse, un peu perdue dans les nuages, personnage assez attachant. À l'évidence, Jacques Godard limite la notion de Picardie aux frontières régionales toutes récentes. On est en 74, donc la région commence, si je puis dire, comme ça vous me reprenez si je me trompe, mais je dis à vue de nez en 72, quoi, plus ou moins. Hein. C'est là que 69 et 72 sont les étapes qui marquent le début de la régionalisation en France. Donc à l'évidence, Godard limite la notion de Picardie aux frontières régionales toutes récentes. Les contradictions qu'il rencontre sont totales et s'expriment ainsi. D'une part, une concession. Je cite. « Dans l'histoire intellectuelle de la Picardie, il sera souvent impossible de distinguer au Moyen-Âge l'apport des régions méridionales axées sur les vallées de la Somme et de l'Oise de celui des pays dont les eaux s'écoulent vers le centre du bassin anglo-flamand. » Tiens, c'est un concept que je trouve très étrange. Alors vraiment, ça renvoie certainement aux périodes archéologiques ou préhistoriques, puisque on pense que la Tamise et le Rhin s'écoulaient effectivement dans une même mer, enfin dans la même rivière. C'est étrange comme. Vous voyez à quel point on remonte loin lorsqu'on aborde ce problème. Nous ignorons, je continue et je termine la citation, nous ignorons le lieu de naissance de nombreux auteurs, mais au fond, cela importe peu. Aucune limite culturelle ne sépare alors Amiens d'Arras et de Lille, Saint-Quentin de Cambrai. Culturel non, historique oui. Et nous sommes là dans une proposition assez intéressante. Voyez-vous, il y a à la fois du vrai et du faux, si je puis dire, chez cet historien, ce qui est quand même un petit peu un comble, enfin paradoxal. Mais bon. Cette concession faite, je reprends donc mon commentaire, les pages qu'il consacre à la littérature sont strictement et étroitement amiénoises, en contravention avec le principe qu'il a posé. Il est question de Richard de Fournival, parce que ce Richard de Fournival fut un chancelier de l'église cathédrale d'Amiens, et aussi de l'énigmatique Renclus de Molien, parce que même s'il y a beaucoup de Moliens, ces Moliens sont connus dans la Somme. Comme Molien Vidame, Molien au bois, enfin, si tu es tous les moyens que vous connaissez. D'où une vision non seulement picarde, mais sommoise, enfin, je ne sais pas si l'adjectif existe, mais on peut le dire comme cela, créons-le, ou sommienne, ou sommoise, qui atteint, vous voyez qu'on touche là au cœur du problème régional de la Picardie, on n'a pas bougé beaucoup d'une certaine façon, même si ça a évolué depuis quelque temps. D'où une vision non seulement picarde, mais sommoise, qui atteint son comble de ridicule, dans la mention de, je cite, « l'histoire du boucher de la ville a été attribuée à un certain Eustache d'Amiens ». On croirait un match de foot. Enfin, du moins d'il y a de mon enfance, de ma jeunesse, puisque aujourd'hui j'ai vu que même ville se fait honte, effectivement, éliminée en Coupe de France par des équipes nettement inférieures. Alors, ville était une équipe extraordinaire qui marquait des buts à tir d'arigot, et au contraire d'Amiens qui gagnait toujours par 1-0. Ou qui faisait match nul. Là, je provoque un petit peu, je chatouille un petit peu encore les localités. Alors, si j'insiste sur ces contradictions, alors, il n'y a rien dans cet ouvrage de Godard sur l'extraordinaire littérature aragoise du XIIIe siècle, précisément sous examen dans ce chapitre. Rappelez-vous ce qu'il dit. Si j'insiste sur ces contradictions intellectuelles et cet esprit de restriction, c'est parce qu'elles sont la marque même des problèmes d'identité régionale qui affectent encore aujourd'hui la Picardie.
Le second ouvrage, paru en 1981, nous nous rapprochons de la forêt invisible, aux éditions de l'organisation et intitulé « La Picardie », était placé sous la direction de René Debry, le spécialiste de la linguistique picarde, bien connu, longtemps professeur, à l'IUT. Il réunissait d'autres universitaires que nous avons tous connus, plus jeunes dans l'ensemble, donc imagine-t-on plus en phase avec la régionalisation récente. Dans cet ensemble, l'histoire n'occupe plus la place prépondérante. On est dans les années 80. Intéressant, les années de structuralisme, si vous voulez, donc décliné en forme de thématique où l'histoire a disparu quasiment. Voilà. Ce qui donne à la table des matières une allure assez chaotique. On commence par le milieu et les hommes, on passe à la terre. Vous pouvez vous référer vous-même à ces ouvrages, vous verrez effectivement que je n'invente rien. Puis on passe à l'industrie, puis on en vient à l'archéologie et aux premiers hommes en Picardie, et ensuite on recolle à l'histoire depuis le XVIe siècle jusqu'à la Résistance. Puis, en fin de compte, on se tourne vers l'art, la vie musicale et la littérature picarde, qui se voit abordée par René Debry lui-même dans l'ultime chapitre intitulé « Picardie linguistique et ethnologique ». La conception de René Debry en matière de littérature est à la fois plus ferme que l'ouvrage précédent et plus flou. Le chapitre a été précédé par une solide histoire de la langue picarde de près d'une trentaine de pages. Ce sont les trois états de langue définis par la tradition des grands linguistes que furent Gossen pour l'ancien picard et Flutre pour le moyen picard et qui correspondent dans le fond au modèle linguistique qu'on a employé pour les langues germaniques, que ce soit l'anglais, n'est-ce pas, le vieil anglais, le moyen anglais et puis l'anglais moderne. Même chose pour l'allemand. Donc en ce sens-là, c'est quelque chose de très bien structuré. Et cela détermine le classement fait par René Debry en littérature de l'ancien Picard, du moyen Picard et du Picard moderne et contemporain que nous reprendrons dans l'ouvrage collectif « La forêt invisible ». Debry accorde une nette prépondérance à ces deux derniers, c'est-à-dire le Picard moyen et le Picard moderne, 13 pages contre 5 consacrées à la littérature médiévale. C'est un progrès. Dans le précédent, il n'y avait rien sur la littérature médiévale, hormis ce fameux stage d'Amiens qui fait de l'histoire du boucher de ville. L'explication est donnée dès le début. Debry avance. Il n'existe pas de littérature picarde spécifique au Moyen-Âge. Donc c'est déjà presque un commentaire sur ce que Jean-Luc disait. La littérature picarde n'existe pas. Lui dit il n'existe pas de littérature picarde spécifique au Moyen-Âge. Je répète ça parce que c'est quand même... Il y a des phrases comme ça qui sont assez fortes. Les auteurs de cette période, c'est très amusant, on se reste toujours dans une période d'une certaine façon nationaliste, vous comprenez. Les auteurs de cette période, même s'ils écrivent dans un dialecte déterminé, sont assez souvent marqués par les dialectes des provinces voisines de celles dont ils sont originaires. Certes, c'est assez vrai. Il est cependant permis de considérer comme picardes des œuvres qui ont reçu assez nettement l'empreinte du dialecte. Donc là, de toute évidence, on a une interprétation qui est strictement linguistique. D'accord ? Et comme les marques linguistiques majeures, ne sont pas visibles en quelque sorte pour le linguiste, donc, nous ne parlerons pas de littérature picarde au Moyen-Âge, ou quasiment, en quelque sorte. Les présupposés de cette déclaration méritent réflexion. Autrement dit, pour Debry, travaillant dans une période d'expansion des études linguistiques, c'est la langue qui fait la littérature, et pas le contraire. En suivant ce raisonnement, comme la littérature médiévale picarde montre peu de marques dialectales, elle est finalement assez peu picarde. Donc, relativement peu intéressante pour un dialectologue. Donc, plus française que picarde. Autrement dit, car il y a un corollaire donc à ce postulat, car c'est un postulat, autrement dit, plus les marques dialectales sont prononcées,
plus la littérature sera dite picarde. Ainsi, paradoxalement, plus on se rapproche du XIXe siècle et du monde contemporain, plus la littérature picarde est picarde. Nous pensons exactement l'inverse. Je veux dire, je prends un mot de politesse, je pense exactement l'inverse. Donc c'est là que je postule quelque chose de, qui est au fond de ma démarche et qui m'a conduit donc à réunir, à rassembler ce de la forêt invisible. Vous ne serez pas étonné d'ailleurs que je pose ce postulat. Je crois, nous croyons, à une souveraineté de la littérature sur la langue. Pour nous, c'est la littérature qui toujours façonne et porte en elle-même l'extension d'une langue. L'exemple le plus extrême étant celui de Dante, l'auteur de la Divine Comédie, qui imposa le toscan à l'Italie. Sans doute, Dante et sa Divine Comédie illustrent-ils la prééminence émergente de Florence. Je ne méconnais pas et je ne sous-estime pas le rapport entre la puissance économique et la puissance littéraire, qui d'ailleurs, de façon assez étonnante, se vérifie toujours, quasiment toujours. Il n'y a pas véritablement d'espace économique. Là, je m'avance en disant ça, et j'espère bien que vous m'apporterez la contradiction dans mon débat. Il n'y a pas d'espace économique, où il n'y a pas de littérature, en quelque sorte, en expansion forte, sans espace économique fort qui la soutient. Et ça, c'est un postulat, moi, que je poserai, qui peut effectivement avoir des contradictions. Sans doute, Dante et sa Divine Comédie illustrent-ils la prééminence émergente de Florence comme capitale des affaires, de l'argent et de la politique. Mais son coup de génie fut d'écrire un poème remarquable qui concrétisait et confortait la double domination et de la langue et de l'économie toscane. Donc, renversant l'approche strictement linguistique, nous pensons, quant à nous, que jamais la littérature picarde ne fut plus picarde qu'au XIIIe siècle. Alors là, je m'engage un peu. Affirmant en cela le rôle économique majeur de la ville d'Arras, seconde seulement à Paris, dans le royaume, comme place éminente banquière et industrielle. Ce fut notre thèse. C'est en fonction de cette thèse-là que nous composâmes « La forêt invisible ». Le livre, en somme, est un manifeste. C'est un manifeste pour l'invention d'un espace, appelons-le extensivement régional, de et par la littérature. On pourra lui trouver, pourquoi pas, un air de manifeste romantique. Il s'inscrit en effet dans la tradition du romantisme germanique, voire derrière, dont il ne conserve pas l'ambiguïté, je tiens à le préciser, dans la mesure où les philologues du romantisme germanique travaillèrent de leur côté, après Franz Bopp et les suivants, finalement à montrer, je sais bien qu'il ne faut pas lire l'idéologie postérieure à ce mouvement-là et la rabattre en quelque sorte sur le travail des linguistes, des philologues plus exactement, de la première étape, mais ils travaillèrent de leur côté à montrer la pureté de l'allemand dans ses filiations indo-européennes, ou qu'ils appelaient, je pense que ça a disparu, enfin, heureusement d'ailleurs, semble-t-il, de l'université allemande, qu'on a appelé très longtemps indo-germanique, montrant la pureté directe, la filiation directe de l'allemand moderne à la langue indo-européenne fondamentale, par contraste avec les langues bâtardes, qui étaient les langues romanes, qui avaient une étape supplémentaire d'abâtardissement par rapport à la pureté d'origine. Concept qui est très prégnant, qui fonctionne toujours, pour lequel j'ai choqué très sciemment des interlocuteurs flamands, vous voyez mon allusion, dans un colloque que j'avais réuni
dans un lieu à Bruxelles, il y a un an tout juste, où j'avais fait se côtoyer, pour moi la curiosité, pour moi l'information, des Flamands, des francophones, des Bruxellois, pour aborder le problème linguistique. Et tout s'est très bien passé dans la mesure où c'était très, très sympathique, d'ailleurs, car Bruxelles est un cas à part dans le problème belge. Croyez-moi, je ne vais pas dériver longtemps vers la Belgique, mais après tout, on pourrait dire que la Belgique, c'était la Picardie seconde, d'une certaine façon. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans les journaux qui va me contredire à propos du Picard, donc, puisque vous, apparemment, vous fédérez, ou du moins vous allez vers les autres fédérations, d'une certaine façon. Donc là, il se reconstitue un espace que j'appellerais presque Jules Césarien, d'une certaine façon. Hein. Et donc, ils avaient présenté le colloque de la façon suivante, c'est-à-dire avec une speakerine flamande de la télévision, de la RTB, qui parlait en français, et le speaker francophone de la RTB francophone, oui, c'est la VRT l'autrement, et qui parlait en flamand. C'était super, quoi, tout baigné, quoi, de toute façon. Je remarquais simplement que la majorité de l'assistance était flamande. Et donc, à un moment, j'ai sorti ça en disant effectivement qu'il y avait quand même quelque chose d'assez étonnant et un peu inquiétant dans le mouvement linguistique d'autonomie flamande. Et y avait-il réfléchi, ou y pensait-il, à savoir qu'on était assez proche de la dureté des mouvements romantiques et du mouvement philologique qui attache à la langue, à mon sens, qui investit dans la langue une valeur beaucoup trop importante et dangereusement importante. Ça, c'est la réflexion d'un littéraire pour qui la souveraineté est toujours de la littérature sur la langue, et pas l'inverse. Hein? Mais ça, c'est un postulat de départ. On comprend donc... donc je distinguais entre les philologues du romantisme germanique qui travaillent de leur côté à montrer la pureté de l'allemand dans ses filiations à l'indo-européen, tandis que les écrivains critiques, quasiment leurs contemporains, comme les frères Schlegel, qui sont pour moi une référence toujours vivante, insister de l'autre côté sur l'exemple formateur de la littérature sur une nation, comme dans le cas de Dante ou Shakespeare, car il ne faut pas oublier, on ne le dit pas assez, que Dante et Shakespeare ont été deux créations du romantisme germanique allemand littéraire. Ce sont eux qui ont dit « c'est eux les deux grands auteurs ». Avant, ça n'était pas le cas du tout. Ni Dante ni Shakespeare ne passaient pour deux grands auteurs. Ce sont les Allemands, les frères Schlegel, qui ont dit « voilà, c'est ça qu'une nation doit faire ». C'est inventer un Dante et inventer un Shakespeare, quelque sorte. Nous nous tenons, quant à nous, du côté des frères Schlegel. Pas des linguistes et philologues, travaillant à une pureté, jamais très loin de la purification ethno-linguistique, ou au mieux, à une recherche de la cohérence interne ou structurale de la langue dialectale. On comprend l'opposition de fond qui nous oppose et qui nous opposait aux conceptions historico-linguistiques alors en cours. On comprend l'immensité des obstacles théoriques qu'il nous fallut surmonter, en plus des obstacles pratiques, pour publier notre point de vue. Je ne voudrais pas faire de cette publication une épopée, mais je suis sûr que dans le futur, on en verra que c'était un mouvement de rupture très important. Quelques éléments, je passe maintenant à quelques éléments d'une biographie picarde, ou jeunesse d'un aventurier littéraire dans les années 1980. Ça permettrait effectivement de parler de ma légitimité à faire cela, parce qu'après tout, je ne suis pas un linguiste. Ou si je suis un linguiste, je suis un linguiste de l'anglais, mais pas du tout, enfin, du français, ni des langues, je suis un linguiste des langues germaniques et pas des langues romanes, en quelque sorte, même si j'avais quelques droits à cela. Pourquoi avoir choisi ce titre? Pour la raison suivante. En 1984-85, à Paris, se peut que je me trompe sur la date, faudra vérifier, le metteur en scène Antoine Vitez monte à Paris, au Palais de Chaillot, dans les décors de Yanis Kokos, le Faust de Goethe. Pas une version abrégée, le Faust 1 et 2. La pièce a été rarement jouée en France, et Gérard de Nerval, le traducteur, on a traduit que la première partie donnant de la seconde partie, un résumé. La mise en scène de Vitez est pour moi une découverte. J'adore le spectacle. J'adore en particulier le décor conçu par Kokos, qui reproduit sur la scène un tableau fameux du peintre romantique allemand, Caspar David Friedrich.
originaire de Greifswald, avec lequel, du reste, l'université de Picardie, à l'époque, avait des liens, hein, des sections germaniques, et donc ça faisait un peu plus rêver, parce que ça rendait la ville un peu plus proche, originaire de Greifswald. Friedrich est non seulement le peintre romantique par excellence, il est aussi le peintre des romantiques, ayant fréquenté à Dresde, Dick, Kleist et Brentano. Friedrich a cette particularité de peindre les éléments, la mer et ses voiliers, la mer Baltique, les glaces et les glaciers, les forêts, les sommets de montagne, qu'il représente très souvent la nuit, avec cette chose étonnante d'y figurer des personnages vus de dos. On ne voit jamais le visage des êtres que Friedrich place dans la nature. Ils regardent, ils sont en train de regarder, par conséquent ils regardent la nature et ils ne nous regardent pas. Ce parti pris leur donne une nature mystérieuse, quasi fantomatique, qui confère au tableau un aspect fantastique. J'ai donc choisi l'un de ces multiples tableaux de Friedrich où l'on voit un couple admiré de dos, les racines à demi surgies du sol d'un être, ce que je imagine être un être, sur la pente d'une lande forestière au milieu de rochers. La force d'arrachement de la nature contraste avec la tranquillité des deux spectateurs. C'est, selon moi, une parfaite illustration de la notion de sublime définie par Kant dans sa critique du jugement 50 ans plus tôt, 1790, c'est-à-dire la tranquillité de la pensée, je résume, au milieu du déchaînement des forces naturelles. Baptisant moi-même ce tableau « La forêt invisible », j'en illustre mon introduction et j'en fais mon titre. Pour moi, la forêt invisible, c'est la littérature picarde, la littérature que l'on ne voit pas, parce que précisément, on ne veut pas la voir. Et cela date déjà depuis longtemps. Déjà, je commets une transgression en ne l'appelant pas littérature picarde et en ne l'intégrant pas non plus, d'un autre côté, à la littérature française, ni Debris, ni Fossier. Je mets un sous-titre explicatif, « Au nord de la littérature française, le picard ». Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que la littérature picarde a été exclue des anthologies françaises depuis toujours, et qu'il n'est pas question non plus d'en faire une littérature spécifiquement régionaliste. Je lui donne un statut d'extériorité qui me semble meilleur pour faire apparaître l'anomalie. C'est une littérature qui, pour moi, n'est pas confinée au Picard, n'est pas assimilable à la littérature française et ne correspond pas à un territoire administratif, mais tout au plus à un vague territoire géographique extensif. Aussitôt, les difficultés commencent. Petit point d'histoire locale, amiénoise, pour commencer. En 1983, Jean Gattegnaud, mon ami et directeur de thèse, ayant été nommé directeur du livre, moi-même dirigeant la revue de la littérature Inuit créée 5 ans plus tôt, je fais en sorte que la Maison de la Culture d'Amiens, au poste de laquelle vient d'accéder le bibliophile Jean-Marie Lhôte, nous l'avions élu en conseil d'administration, je fais en sorte que cette maison de la culture se voit dotée d'un service d'édition de livres. C'est une première dans l'histoire des maisons de la culture. Je propose que l'on baptise les éditions Trois Cailloux. Pas la peine de vous expliquer pourquoi. Cela fait grincer localement quelques dents. D'autant que malgré la bonne volonté des uns et des autres, personne à la MCA n'est prêt pour la tâche si particulière de l'édition. Une secrétaire est nommée, de caractère difficile. Je peine à lui faire entendre la situation locale. Comme par ailleurs je suis universitaire angliciste, les spécialistes du Picard n'acceptent pas facilement que je m'occupe de leur domaine. À quoi l'on ajoutera que je fais en sorte que désormais la MCA édite la revue Inuit, trop c'est trop. Les résistances se multiplient. C'est dans ces conditions que la forêt invisible est conçue. Il me faudra 2 ans d'inlassable persuasion
promesses, menaces, démarches en tout genre pour parvenir au résultat. Bien que je sois moi-même alors en pleine découverte des richesses littéraires médiévales, par la fréquentation de mes collègues universitaires André Crépin, l'angliciste, et Daniel Buchinger, la germaniste, tous deux dans le fond spécialistes de la littérature du Moyen-Âge, et je tiens à leur rendre hommage ici, je n'ai pas la prétention de tout faire. Il me faut donc l'adjonction de spécialistes. Je fais appel à Jacqueline Picoche, linguiste à l'université, dont j'apprécie l'intelligence et le caractère bien trempé, jugé par d'autres à brut, qui devient très vite mon ami. Je fais appel au spécialiste René Debris, qui ne me veut pas de bien, très clairement. Je fais appel enfin à l'écrivain Pierre Rivard, avec qui les relations à l'époque étaient tendues à propos de la revue Inuit. Situation pour le moins inconfortable. À Jacqueline Picoche, je confie la partie médiévale, que je veux être la plus importante de l'ouvrage, et pour laquelle j'offre mes propres découvertes et traductions enthousiastes. Au second, René Debris, la partie du Moyen Picard. Au troisième, Pierre Rivard, le Picard contemporain. Quand j'obtiens enfin, au bout de 2 ans, le concours actif de chacun, le livre revient de chez l'imprimeur, nanti d'une couverture qui me laisse sans voix. Jugez-vous-même. Le titre « La forêt invisible » et son sous-titre ont été rendus invisibles par le maquettiste, par gravure en relief, en blanc sur blanc, dans le carton. Seul et lisible et visible, en vert fluorescent, le Picard. C'est prendre le contraire exact de mon propos. Je me fâche, je crie au sabotage. Je me fâche d'autant plus qu'une somme d'argent considérable a été employée pour atteindre ce résultat négatif. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas si ce choix de couverture, je relativise maintenant ce problème, vous l'entendez bien, avoir le succès effectivement qu'à ce livre. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas si ce choix de couverture est le produit de la bibliophilie invétérée de Jean-Marie Locke ou du zèle jacobin radical de Dominique Weich, la secrétaire d'abord. Ça, c'est un euphémisme. Hein. Zèle jacobin radical, c'est un euphémisme. Que j'ai longtemps soupçonné d'avoir été influencé par de farouches jacobins anti-décentralisateurs. L'histoire de ce livre, de ma vision, de mon inaltérable détermination et des obstacles rencontrés, et, me semble-t-il, une parfaite illustration du climat de l'époque quant à la régionalisation. J'en ai conclu que la littérature garde intact le pouvoir de déranger, de subvertir, qu'on peut contrôler la langue, jamais la littérature. Et anecdotiquement, que la littérature, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi en disant ça, mais c'est mon expérience, n'est pas vraiment aimée en Picardie. Région toujours guettée, et là les statistiques sont absolument implacables par l'illettrisme. Pour résumer tout ce qui entoure cette publication, je rappellerai enfin que 6 mois durant, à partir de 1982, je crois, 82, je fus chargé par le recteur d'alors, Philippe Gras, je crois que c'est Philippe, enfin bon, je ne me souviens plus de son prénom, Gras, je sais que c'était son nom, recteur régionaliste, associé à Pierre Mauroy. J'avais donc été chargé d'être le premier conseiller culturel d'académie, et que durant mon très bref mandat, je m'employais auprès du ministère de l'Éducation, un certain monsieur Luc, à faire qu'un enseignant de français, par ailleurs picardisant, en fait il n'était pas enseignant de français, en l'occurrence le droit de Jean-Marie François, si je ne me trompe, ait une décharge de service de 3 heures pour enseigner les rudiments de la langue picarde. Je peux vous assurer
que ça a été un combat incroyable. Et que je suis entré après les Basques, les Bretons et les Corses, et qu'on m'a dit, non mais attendez, vous rigolez quoi, le Picard, c'est quoi? Et donc, j'ai vraiment eu une sorte de bras de fer avec cette personne, mais comme l'époque était encore à l'expansion, à une forme d'enthousiasme, on m'a écouté, et donc je suis revenu avec ces 3 heures de décharge. Ce qui n'était pas rien, parce que si aujourd'hui nous sommes là tous ce soir, et si vous êtes tous en charge du Picard, bien sûr que ça n'est pas la seule raison, mais l'institutionnalisation, l'officiel, en quelque sorte, procède de là. C'est un point d'histoire sur lequel je voulais être très précis. Je suis aussi précis que possible dans ce que je vous dis ce soir. 3 heures, décharge de 3 heures pour enseigner les rudiments de la langue picarde. Ma théorie, peut-être fausse, je n'en sais rien, était alors, et c'est comme ça que j'ai obtenu cette décharge, était alors qu'un apprentissage, si léger fut-il du picard, en zone rurale, aiderait certains élèves à progresser en français. En désaccord avec le rectorat sur d'autres points, j'abandonnais mon poste en 1983, estimant que j'avais fait ma tâche en quelque sorte. Mon sentiment quand je reprends ce livre, comme pour l'occasion de ce soir, c'est d'avoir réussi, avec d'autres, quelque chose de novateur et d'original. Ce livre, j'en suis quasiment sûr, et je parle d'instinct littéraire et de connaissances littéraires, restera un monument. Je mets des guillemets à monument, mais restera un monument. Avec ses bizarreries et ses imperfections, dont je viens de parler. Et je termine ma petite touche biographique pour expliquer ma légitimité quand même. Fils d'instituteur, et on sait à quel point les instituteurs ont joué un rôle colossal, capital, dans l'enseignement et du français, et d'une certaine façon, et du Picard, à partir du moment où la régionalisation est devenue entrée dans les mœurs. Fils d'instituteur dans un village du Ponthieu, j'ai parlé le Picard avec mes camarades dans la cour d'école. Ça c'est banal, c'est comme nous tous. Leur Picard se réduisait en fait dans les années 50, autant que je m'en souvienne, à un accent prononcé, à des bizarreries syntaxiques ou lexicales, et à quelques mots parsemant leur conversation. Telle cette ennui à graphie incertaine que j'ai repris pour titre de la revue littéraire que nous fîmes. Mes parents, tous deux urbains, avaient la vénération du français. Mais mon père, que passionnait le théâtre, montait chaque année dans le village d'Aïle au Clocher et dans le cadre de l'Ufoléa, un spectacle où était jouée une pièce en patois picard, disait-on à l'époque, en patois picard. Cette pièce en picard dédouanait par ailleurs ses créations d'Anouilh, de Labiche, de Courteline ou de Molière. Elle assurait surtout financièrement le succès de la représentation générale, car si les gens venaient à ce spectacle de théâtre total, c'était surtout pour entendre le picard. Entre ma grand-mère institutrice, soucieuse de belles langues françaises, grand-mère maternelle, et sa sœur rurale, c'était une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, et sa sœur rurale, donc picardisante, et quelle picardisante, qui avait émigré sur le Tarn à Saint-Leu, les conversations auxquelles j'assistais enfant étaient incroyablement savoureuses. Car ma sœur, la tante, ma grand-tante en quelque sorte, la sœur de ma grand-mère, s'ingéniait à se moquer de ma grand-mère, et à ne lui parler strictement que le picard de Saint-Leu. Et donc ma grand-mère lui disait, remarque, enfin, reprends-toi, quoi, franchement, quoi, tu n'as pas été élevé quand même comme ça. Et l'autre, qui avait un sens de l'humour et de l'ironie absolument redoutable, se fichait d'elle, se moquait d'elle, regarde l'argent. L'enfant qui, neutre, qui était là, qui assistait aux conversations, trouvait que cette tante picard, Marthe, était drôlement drôle, était rudement drôle. Et donc, là, et la grand-mère était sérieuse, se prétend un peu sévère. Nommé à l'université d'Amiens en 1969, j'ai d'abord pris intérêt à l'art gothique ou flamboyant, ainsi qu'aux sites historiques locaux, avant de revenir progressivement à la langue et à la linguistique dans le mouvement régionaliste général. Je n'entrais pas dans les querelles futiles, là je vais faire bondir tout le monde,
des graphies entre les Vimeusans et les Amiénois, Vasseur contre Debris, Debris contre Vasseur. Fallait-il que le K dur soit incarné par un C ou un que le que dur soit incarné par un C ou un K? J'appréciais quant à moi, plutôt avec détachement, que la dureté consonantique, le plus ou moins de dureté consonantique, opposa le climat continental à la douceur du climat maritime. Du Picard, j'ai surtout conservé deux choses. Le remarquable lexique du professeur Dijonet Loriot, qui est l'embryon d'un dictionnaire de Picard français que j'attends toujours, qui va peut-être jamais jouer, j'en sais rien. C'est vrai que la linguistique a un peu moins le vent en poupe, ou la lexicographie donc, est un travail de Romain, mais après tout, on est permis de rêver, on se dit un jour, pourquoi pas, ce serait extraordinaire. Quel dictionnaire, quel trésor de langue pour les écrivains, quoi. Vraiment, ça serait extraordinaire. Bon, je pense que Pierre Rivard, déjà, s'en sert déjà beaucoup, enfin, de ce lexique qui est là. Et le remarquable donc lexique du professeur Dijonet Loriot est l'accès à l'extraordinaire massif littéraire médiéval, à peine défriché, même pas entamé, autour d'Arras, pour lequel j'ai, et je suis fier, et j'en terminerai avec mes fiertés successives, et vous me les pardonnerez, mais ce sont aussi des points d'histoire, pour lesquels j'ai, et j'en suis fier, fait rentrer le premier à la Comédie française, le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, sous la direction de Marcel Bozonnet. Le jeu de la feuillée est au répertoire de la Comédie française entre 1280 et 2004. Et ben, il avait attendu. Il y a toujours de l'espoir pour la littérature. La persistance obstinée des obstacles rencontrés sur place à Amiens, comme mon émerveillement progressif devant la littérature arageoise, me firent assez vite quitter l'étroitesse d'esprit local pour le territoire plus vaste, plus propice aux rêves et à l'avenir européen, d'une zone couvrant extensivement le Ponthieu, le Boulonnais, les Flandres, l'Artois, le nord de la Thiérache, ainsi que la Wallonie, le Brabant et Bruxelles. C'est dans cette zone que j'ai aujourd'hui mon habitat expérimental. Je dis souvent que j'y ai mon laboratoire. Brève exploration, je m'approche de la fin, du contenu de La forêt invisible. Mais avant de finir, j'aimerais vous lire quelques passages de cette littérature arageoise que moi je trouve absolument formidable. Brève exploration du contenu de La forêt invisible. 135 pages de littérature médiévale, présentées thématiquement par Jacqueline Picoche et moi-même, contre 200 pages de littérature en Picard, écrites de 1800 à nos jours, présentées par Pierre Rivard. Telles sont les deux parties majeures du livre, et coincées entre ces deux massifs, les 30 pages du Moyen Picard de René Debris. Avec trop peu nombreuses à mon gré, et là je vais peut-être vous demander d'intervenir, en transparence, par le transparent, si c'est possible, avec trop peu nombreuses à l'engrais, de rares illustrations extraites du bestiaire de Richard de Fournival, visible à Arras. C'est-à-dire, je suis tombé en arrêt, quasiment, sur ce bestiaire de Richard de Fournival, dont il existe un manuscrit à Arras, de toute beauté, qui comporte quelque chose comme 50 illustrations de ce genre, alors qu'on voit un petit peu de façon pâle, un peu faible, mais qui correspond donc à ce remarquable bestiaire de Richard de Fournival, dont je m'étonne, mais après tout, il y a le temps, hein, on a le temps devant nous, si je puis dire, dont je m'étonne qu'il n'ait jamais tenté un metteur en scène, car c'est une série de dialogues absolument extraordinairement savoureux entre des animaux, à bien avant La Fontaine, entre des animaux hommes, mâles, masculins, et des animaux féminins, femmes. Et donc, c'est absolument extraordinaire de psychologie, de finesse, quand on pense que c'est un chanoine de la cathédrale d'Amiens qui était vraiment spécialiste en psychologie masculine et féminine. Ça veut dire vraiment, c'est extraordinaire. Wiesblas est une reproduction extraite de l'Évangéliaire de Charlemagne. Ouais,
j'allais dire de Charmelles, je crois que c'est Saint-Luc, c'est le taureau de bas. Oui, si c'est le taureau, on a enfin, dans Saint-Luc. Que Madame Agache, la femme de Roger Agache, déjà très malade, consentit à sortir de son coffre climatisé à la bibliothèque d'Abbeville. Je n'entrerai pas sur l'histoire que mon arrière-grand-père maternel a protégé sans le savoir ce manuscrit et qui l'a conduit à la Bibliothèque nationale, alors que les Allemands menaçaient d'envahir Abbeville. Donc on l'a désigné pour conduire. Je trouve que c'est très beau cette histoire. C'est une histoire familiale, bien sûr, cette histoire d'un grand-père qui transporte dans sa valise, comme ça, le manuscrit, ce manuscrit-là, pour le mettre en sûreté à la Bibliothèque nationale. Pour le reste, et je termine en quelque sorte le travail des quatre collaborateurs scientifiques, clairs et agrémentés de morceaux choisis, fait de ce livre un ouvrage de référence irremplaçable. Aujourd'hui épuisé, mais je viens de voir, j'avais écrit aujourd'hui épuisé, mais je viens de voir qu'il en reste des exemplaires à l'entrée, et qui attend sa réédition, qu'il faudra rééditer de toute façon. Quels sont les points forts de l'ouvrage? Pour moi, indiscutablement, cette présentation diachronique, exhaustive, où la littérature apparaît dans sa continuité et ses divergences, me frappe comme une évidence que la littérature médiévale arrageoise s'adresse en priorité aux bourgeois, aux nobles et aux ecclésiastiques d'Arras. Donc, qu'elle est très loin du dialecte parlé par le peuple, dont il n'y a pratiquement pas d'écho, mais c'est la même chose dans la poésie de Courtoise des Troubadours, qui crée une langue à partir des dialectes occitans différents. C'est une langue littéraire, en quelque sorte. C'est déjà une langue littéraire. Un peu comme Dante crée une langue littéraire à partir du toscan et du siculo-toscan et du sicilien de Toscane. Par contre, la force d'inventivité et de créativité de cette littérature en fait une grande littérature. En position de transformation, oui, parce qu'elle reçoit et qu'elle transforme. Et qu'elle donne une littérature qu'elle a reçue et qu'elle a transformée. C'est ça la force d'une grande littérature. Et qu'elle fait une grande littérature en position de transformation par la satire théâtrale en particulier des thèmes de la courtoisie méridionale ou occitane. Arras bouscule, bouleverse la littérature de hiérarchie par son sens démocratique. C'est très étonnant et c'est très impressionnant de voir cette naissance de la démocratie en littérature qui a été rarement imitée. Certainement pas la Renaissance qui est une affaire d'élite cultivée, d'élite humaniste. Les humanistes sont quelques-uns à travers l'Europe, mais ils sont vraiment quelques-uns, ils sont perdus. Et là, à Arras se crée la première véritable société d'auteurs avec le fameux nécrologe dont nous avons la trace dans le fameux nécrologe d'Arras, abordé par Roger Berger, traité par Roger Berger, dont je regrette qu'il n'ait pas écrit davantage sur ce qu'il savait. L'expérience du nécrologe, joignant trouvères et jongleurs, est unique en son genre et annonce la modernité. Le statut du poète et le traitement des thèmes changent à Arras. C'est là que la courtoisie en prend un coup dans l'aile et commence déjà à aller vers le roman, d'une certaine façon. On va vers le roman dans la mesure où on se moque des thèmes idéaux, de l'idéalisme courtois. Et c'est à Arras, sur la place de l'Arras, que cette chose arrive. Plus on se rapproche du XIXe siècle et de la renaissance des littératures en langue populaire, voire l'histoire du folk allemand, plus la littérature picarde devient une littérature en picarde, c'est-à-dire qui se rapproche du dialecte parlé. Se rapprochant du dialecte parlé, elle tend, ce n'est pas général, à oublier ou à perdre de vue les avancées de la grande littérature internationale. Ce qui ne se produit pas dans des sociétés comme l'Italie, plus décentralisée, avec le romain Gadda ou le poète vénitien Zanzotto, qui est notre contemporain. Mon sentiment est qu'elle s'est un peu folklorisée, c'est-à-dire qu'elle a prolongé le rêve de société ou communauté qui n'existe plus dans la réalité, qui font un travail d'archéologie active ou vivante, au risque de périr parfois dans leur travail. Peut-être suis-je injuste, ou pessimiste en l'occurrence, d'ailleurs, car l'exemple du wallon Verguen est peut-être à suivre ici, et c'est aussi, je crois, ce que tente de faire Pierre Rivard. Alors pour moi, et je termine par quelques lectures, si vous en avez encore le courage, quelques extraits, les joyaux de ce livre sont, pour le Moyen-Âge, d'abord le Renclus de Molien.
jamais réédité depuis le 19e siècle. Et quand j'ai été chercher à la Bibliothèque nationale l'édition d'un certain Van Hamel, je peux vous dire qu'elle n'avait jamais été feuilletée. Jamais été feuilletée. Travail d'une beauté, vous savez, ce travail que les philologues du 19e, ces terrassiers des archives faisaient, eh bien, personne n'a jamais connu, effectivement, Rancune et Molien. Rancune et Molien, c'est Villon à la puissance N, et donc on ne peut pas comprendre Villon si on ne comprend pas le Rancune et Molien, qui travaille à la fin du 12e siècle, donc on sent et quelques. Et contemporain, par ailleurs, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, de la littérature de Chrétien de Troyes. Et c'est vraiment, on se dit, mince, quelle séparation, quelle gamme. Ensuite, la prière à la Vierge de Thibaut d'Amiens, qui est de toute beauté et qui se termine par une sorte de satire, d'un trait, c'est-à-dire un vers picard qui détruit tout, toute la beauté. Et c'est assez picard, moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Puis alors, en plus, ce qui détruit, c'est de la satire au premier degré, c'est-à-dire c'est de la scatologie. Hein, bon. Tout un travail à faire sur la scatologie et le statut de langue dialectale du Picard. C'est extraordinaire à faire ça. Il y a aussi l'art d'aimer de Jacques Damien, qui est une façon extraordinaire de traduire Ovide, de l'art d'aimer d'Ovide, qui est une adaptation de toute beauté, fin du XIIIe siècle. Et puis le portrait de Marois par Adam de la Halle, qui est un double blason, un blason renversé, beauté de la femme jeune, laideur de la femme vieille, enfin, en quelque sorte, qui est assez étonnant. Et puis je pourrais citer encore les portraits doubles de Richard de Fournival, mais je l'ai déjà fait, et puis le Fatrasier de Beaumanoir, également Philippe de Beaumanoir, les jurisconsultes. Et dans la période moderne, je suis très sensible, mais je ne les lirai pas, je vous les laisse lire, parce que je ne veux pas écorcher mon accent picard, n'est pas extraordinaire, et donc il manque de la pratique surtout. J'adore d'Edouard David, la naissance de l'enfant Jésus, et le naissance de l'enfant Jésus, que je trouve absolument mais extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et puis j'aime beaucoup aussi la traduction du Saint-Évangile selon saint Matthieu par Édouard Paris, qui est une beauté de langue absolument fabuleuse. Et je termine par Jules Mousseron, forcément à force de côtoyer Jacques Bonafé et ses cafouillettes, j'ai appris à aimer Jules Mousseron, mais beaucoup plus que ce qu'il dit d'habitude, c'est-à-dire le voyage à Ostende, je préfère de beaucoup le cours à Pourchaud sur lieu. Qui est absolument extraordinaire, qui est du surréalisme avant Magritte, quoi, avant c'est extraordinaire. Je vous lis quelques extraits quelques passages du Rancune et Molien, s'il vous plaît. Je ne lirai pas tout, hein, je vais simplement entonner en quelque sorte le chant. C'est que c'est long, hein, c'est qu'ils font long, enfin, c'est pas moi qui vais critiquer parce que. J'ai l'habitude de faire long aussi. Il y a deux choses. Il y a le Miserere du Rancune et Molien et puis, bon, je ne me souviens plus. Il y a deux textes qui sont extraordinaires. Alors que j'ai traduit en français. Je ne veux pas vous les lire dans le médiéval parce qu'on ne sait pas reproduire le médiéval. On dit, je me souviens d'une mission de France Culture qui avait utilisé des Québécois pour lire du médiéval. Bon, ça faisait un très bel effet, mais bon, je ne sais pas du tout si philologiquement c'est valable. Enfin. Le Miserere du Rancune et Molien. Alors, bien sûr, on connaît beaucoup plus les vers de la mort d'Hélinan de Froidmont. C'est du même tonneau, si je puis dire, mais je trouve que Molien est beaucoup plus dur, beaucoup plus raide, en quelque sorte, que quand on entend ça, on a froid dans le dos. Homme, entends-moi, puis me réponds sur les trois points de ma question. D'où vient, où est, où va? Ensuite, réfléchis tout au fond à ces trois autres questions qui sont « Qui fut ? Qui est ? Qui sera ?» Je sais que si entendu ma, la peur, la honte te jettent à bas. La peur, la honte ensemble vont, l'homme qui est sage ne l'oublie pas, car il soupire et dit « Elle a » et ce soupir monte du fond. M'étonne comme l'homme reste en repos qui a saisi sans sa mémo grande matière en peu enclose, car beaucoup d'hommes entendent la chose qu'il entend dans le faire n'ose. Il leur suffit qu'elle ait du prix, la comprends-tu dans ton ouïe jusqu'à la moelle de tes os? T'en atteindras aussi la glose quand son sens je t'aurai déclos, si ce précepte ton cœur enclos, jamais ta vie n'ira fort close. Homme, apprends d'où tu es venu. Adam se fit-il contenu, comme Dieu lui avait enseigné. De l'arbre se fut-il abstenu. Aux autres se fut-il maintenu.
De son paradis terrien, il fut monté au célestin. S'il n'eût jamais cassé son bien, nul mot ne lui fût advenu. Homme qui avait sens et engin, pourquoi pour un si petit rien nous faire pleurer, grands et menus ? Voilà, ça continue comme ça, c'est des douzains qui sont absolument extraordinaires, quoi, qui continuent comme ça pendant 50 pages. Une beauté. Ouais, je suis absolument en admiration devant ça. Alors je vais vous lire quand même la prière à la Vierge de Thibaut d'Amiens. Alors on sait qu'il était d'Amiens, vraisemblablement. Fin du XIIe siècle, là aussi, même chose, 1180-90. Ça swing, quoi, c'est du jazz. Moi je dis c'est du jazz. C'est des vers de cinq pieds. Des vers de cinq pieds. Ah, vous entendrez. Ça va vous endormir, mais c'est pas grave. Vous allez, le dernier vers, ça va vous réveiller de façon terrible. Écoutez bien le dernier vers. Mon cœur est trop laid. Il fait ses méfaits sans en être inquiet. Et le temps s'en va. Bon, on entend Fillon déjà. Et le temps s'en va. Et je n'ai rien fait. En quoi j'aurais foi? J'ai assez usé et mon temps usé, je devrais payer si par sa bonté la fleur pure n'acquiert de son fils la paix. Prière à la Vierge. Mon cœur est trop vain, trop vil, trop vilain, trop gai, trop volage, il n'est pas très sain, il est faux, il feint, il est plein d'outrage, il est hors du sens, il n'a pas bon sens, par mauvais usage, c'est un pauvre enfant, paresseux et lent, obscur en ombrage. Il est vraiment fou, il emprunte à coups, il veut très peu rendre, souvent se fourvoie, des cadeaux reçoit qui le font méprendre, veut s'en amuser, en rire, en jouer, son soin gaspillé. Mais savoir pleurer, mais savoir prier, ne le veut pas prendre. Il ne veut veiller, ne veut travailler, mais craint pauvreté. Il ne veut prier, mais être louangé, gagner sans mérite, sans grain engrangé. Ses folies ouvertes, nul ne peut trouver de fruits sans œuvrer, en terre ou désert. Dieu, comment ferait, comment finirait au jour d'être jugé? Que raconterait au juge vérité, au roi de justice? Nul conseil n'y voit s'il ne me pourvoit devant son assise. Qu'elle prie pour moi la mère du roi dans sa grande franchise. Par mon seul talent requiert son appui. Quant à bon escient et très hardiment je l'ai messervi, je m'en hardirai, je lui dirai « Très douce Marie, je m'amenderai. Je vous servirai durant toute ma vie. Ma joie, mon amour, ma vie, mon honneur, ma paix, ma lumière, d'offrir aux pécheurs votre grand secours qui est coutumière. Mon cœur maltraité, je pose à vos pieds, noble trésorière. Donnez-lui santé, vous qui de pitié êtes l'ouvrière. Vierge en royauté, reine en loyauté, mère débonnaire, précieux vaisseau, cristal sans défaut, plein de sanctuaires, temple ornementé du grand luminaire, mon âme confortée, douce âme qui portait le doux électuaire. Cellule de miel qui suavement le cœur fait vivre, clé du Saint-Onguent par lequel les morts peuvent revivre, grande est votre odeur, grande votre douceur, nul ne peut décrire comme votre amour, le très humble pécheur volontiers délivre. Très noble pommier, très doux olivier, plein de médecine, très gentil rosier, suave l'églantier qui n'a nulle épine, délicieux cyprès qui jette loin et près son odeur si fine, mon âme purgée et la tenait près de votre doctrine. Arbre de hauts fruits qui à notre nuit donna de la joie, il a grand plaisir et bien se conduit qui à vous s'appuie, très sainte clarté qui les égarait, ramenez à vous, ne me dédaignez, vrai j'aurais assez si je vous avais. Étoile de la mer, à mon cœur amer, ne soyez amer, daignez l'entamer, à bien vous aimer, belle et douce mère. Par Dieu, oyez-moi, ne vous montrez pas avare envers moi. Clarté m'envoyez, ma route éclairée, très sage et très claire. Saphir éprouvé, jaspe réputé, émeraude pure, rubis enflammé, diamant aimé de noble nature, châtelain abri, vers vous je m'enfuis comme au donjon sûr. Dame à vous m'appuie et toute à vous suit, mais prenez en cure. Donnez-moi du pain,
Que mon cœur soit plein d'allégresse pleine, du pain sans levain qui les fils évins tirèrent de leur peine. Je crie à votre oui comme je le puis, besoin m'y amène, grands sont mes ennuis, si pitié me puise à votre fontaine. Rendez-moi l'amour de mon beau Seigneur avant que je meure, pour que toute erreur, par sa grande douceur, veuille en moi détruire, que jusqu'à la mort mon ennemi fort empêche de nuire, et que, à bon port, ô joie, ô déport, me daignez conduire. Ici, congé prend, Thibaut que mort prend, qui le contrarie, chétif et dolent, souvent se prétend. Adieu, crie merci. Dieu répond. Thibaut Damien, ne manqua de bien au jour de ta vie, n'emportera rien qu'un panier de fien. C'est ta chair pourrie. Absolument formidable. Dire que c'est... Alors, j'ai fait mettre en musique un jour, tellement je ne savais pas quoi faire avec ce texte, enfin vraiment c'est absolument. Et puis je termine simplement par quelques fatrasies, enfin, comme ça. D'ailleurs les fatrasies, j'ai essayé de les traduire, mais dans un sens, il vaut mieux les lire telles qu'elles sont. Quelques-uns. Cela dit, alors là vraiment, André Breton a préfacé un livre sur les fatrasies qui était publié donc, par... cet éditeur dont que tout le monde connaît, dont j'oubliais le nom, mais ça viendra. Et un dé étourdi, oh ça le surréalisme là-dedans, un dé étourdi portait Saint-Denis parmi Montdidier, et une perdrix entraînait Paris dessus Saint-Riquet. Je vis le P d'un pluvier sur le clocher de Senlis, qui se mit si fort à crier qu'il en étourdit les bourgeois de Montpellier. Une grande carpe remorqua la scarpe aux pentes d'un haut mont, et une vieille caque, juchée sur un sac, emporta au mont. Un empan d'étoffe posa 40 coffres de blé sur Clermont, tant qu'une prune flétrie saoula les esprits. Un grand arançor eut assez gisor d'une part et d'autre, et deux hommes morts vinrent en renfort portant une porte. Ne fut une tortue criant « Tous dehors !» Le cri d'une caille morte eut fait sa cohorte sous un chapeau de feutre. Et cette dernière, une vieille chemise, sa science a mise, à savoir plaider. Et une cerise, devant elle, s'est mise pour l'invectiver. N'eût été une vieille cuillère qui son haleine avait reprise, conduisant un vivier, l'eau tout entière de la Tamise fut entrée dans un panier. Il n'y a rien à dire, c'est absolument extraordinaire. La seule chose, la seule traduction possible au fin de cela que j'ai jamais vue, c'est le peintre Hieronymus Bosch. Je me dis, entre ça, c'est Philippe de Beaumanoir et... Il y a une persistance, une rémanence de cet esprit absurde, de non-sens, quelque sorte. Au regard de quoi, d'ailleurs, tous les non-sens d'Edouard Mire, tout ça, comme ça, sont assez, finalement, de bon sens. Tandis que ça, véritablement, c'est la folie même. On imagine, alors j'ai imaginé, je termine là-dessus, donc j'imagine, dans les tavernes d'Arras, qui étaient, la ville d'Arras, en quelque sorte, qui était à l'époque très fréquentée, et dont les auteurs de théâtre, Jean Baudel, Adam Dahl, effectivement, auxquels ça fait allusion, n'imagine des tournois de fatrasie. Alors évidemment, je pense que, bon, l'improvisation, non, je crois qu'il faut l'écriture, il n'y a rien à faire, il faut que l'écriture. Mais on est dans l'association surréaliste avant la lettre, on est en quelque sorte dans le rêve éveillé, et pour moi, vraiment... Oui, alors cette littérature, là, je la déclare, je la revendique, si je puis dire, picarde. Et donc je trouve qu'elle existe, mais elle existe à un tel degré avec une telle force, qu'on ne la voit pas ou qu'on ne l'a pas vue. Mais nous sommes au début.
de cette reconquête, et donc, voilà. C'est extraordinaire de s'appuyer sur des choses comme ça. Ça redonne vie et ça redonne énormément de plaisir, de joie. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors bien sûr, si vous avez le courage ou si vous pouvez me poser des questions, et j'y essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. J'ai lancé quelques petits points qui sont effectivement discutables. Mais bon, c'est aussi parce que je sais que notre maturité, d'ailleurs, est arrivée et que donc nous pouvons dialoguer désormais. Mais vous n'êtes pas obligé non plus, hein, si vous n'avez pas envie, ne vous inquiétez pas. Hein. Peut-être. Oui. Je le présupposais presque, comment dire, théorique, oui. Si j'ai bien compris, votre idée, ce serait que la littérature, tout en haut, et si elle porte la beauté, je crois que c'était vos mots, je crois que la beauté confirmait la langue et l'économie. Hein. Vous voyez une sorte de millefeuille, moi je voyais un millefeuille à trois feuilles, tout en bas une base économique, une puissance à un moment située dans l'histoire, qui aurait sa langue, vous prenez hein, bien sûr de Florence. Et est-ce que vous pourriez m'expliquer, moi je suis ignorant de ces choses-là, en quoi la beauté confirmerait la langue comme une espèce d'effet rétro, quoi, oubliard, et viendrait en quelque sorte confirmer cette base économique. Voilà, je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais, ouais. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je laisse entendre, sauf que je n'ai pas employé le mot de beauté. Pas du tout. Non, je ne sais pas si le mot de beauté en tant que tel, qui s'applique peut-être davantage à l'esthétique de la peinture ou de la musique, la littérature, la beauté de la littérature, ça n'est pas la beauté de la littérature qui me frappe, pas du tout. Je suis toujours frappé par cette sorte de... Finalement, je crois qu'une littérature agréable, plutôt plaisante et forte, plutôt. Je suis beaucoup plus sensible à la force de la littérature. C'est une vigueur. C'est une vigueur et une rigueur. C'est vraiment quelque chose qui touche le fond même de l'existence. Et là où, précisément, le langage rejoint toutes ces possibilités à la fois, c'est-à-dire la possibilité utilitaire et la possibilité gratuite, comme dans les phrasies, en quelque sorte, qui n'est pas de la beauté, qui est tout simplement de l'étonnement, quoi, qui est du plaisir, inquiétant d'ailleurs, un plaisir inquiétant. Non, la gamme de sentiments que la littérature nous offre est extrêmement large, extrêmement vaste, et je pense quand même qu'elle a comme effet, la littérature, ou comme but, surtout comme effet quand elle est réussie, c'est de démultiplier en quelque sorte le plaisir de nos potentiels. Comme si la langue utilitariste ne prenait qu'un secteur de la vie humaine et la littérature. La langue utilitariste, c'est celle que nous parlons, c'est celle que je suis en train de vous parler en ce moment, et c'est celle que vous parlez, c'est celle que nous parlons tous dans la quotidienneté, qui a son potentiel d'étrangeté et de beauté, pour reprendre votre mot, qui a un potentiel, d'ailleurs, des gens comme Beckett ou des gens comme Marguerite Duras ou Nathalie Sarraute ont fait leur littérature à partir de cette langue, de la quotidienneté qu'elles ont déplacée, tant soit peu, déportée un petit peu, pour en faire sentir toute la magie, tout l'étonnement, tout le mystère, quelque sorte. La littérature, vraiment, pour moi, nous fait entendre, nous fait comprendre à quel point notre existence de terrien est une existence dont nous ne saisissons pas toutes les potentialités, dont nous n'utilisons simplement que le dixième, le centième, le millième des potentialités qu'est notre vie. Alors, je suis un personnage optimiste, surtout dans une période aussi pessimiste que celle dans laquelle nous vivons, et donc je croirai jusqu'à mon dernier souffle au potentiel de la littérature. Alors, littérature, j'y donne un sens très, très vaste, extrêmement vaste, qui englobe beaucoup de choses. Mais bon, c'est notre rapport au langage. Notre rapport au langage. Et qui est la condition de notre liberté, et qui est la condition que nous sachions l'écouter, en saisir, sonder toutes les potentialités. Alors, il n'empêche que,
Alors, c'est là-dessus, justement, que la théorie, elle est peut-être, après tout, elle est peut-être vaseuse, mais je veux dire qu'il y a quand même, il y a toujours, les grandes littératures, autant que je sache, les grandes expressions littéraires, autant que je sache, correspondent à des périodes de grandes expansions économiques. On peut me montrer des exemples contradictoires, je suis tout à fait prêt à les prendre. Mais il n'y a rien à faire, Shakespeare arrive, angliciste je suis, sait très bien quand Shakespeare arrive. Shakespeare arrive à un moment où justement l'Angleterre s'affirme nationalement, commercialement, c'est le dernier pays qui prend la Renaissance de plein fouet et qui porte la Renaissance à son explosion maximale et qui en fait véritablement quelque chose de prodigieux, qui porte littéralement l'Angleterre vers toutes les mers du globe et qui va en faire jusqu'au XIXe siècle la puissance première. Mais quand j'entends Shakespeare, plus j'entends Shakespeare et plus je me dis, non, c'est incroyable, quoi. Il porte en lui toute la puissance de l'Angleterre, même s'il n'en parle pas directement, mais la notion de le débat sur la royauté, sur le pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir juste, qu'est-ce que c'est qu'une usurpation du pouvoir. J'ai regardé, excusez-moi, hier soir, une émission sur Poutine à 1h du matin sur France 2 ou France 3, plus exactement, je me disais, mince, c'est incroyable, quoi, c'est du Shakespeare, enfin, c'est invraisemblable, la façon dont les oligarques l'ont porté au pouvoir et dans la façon dont ensuite. Il s'est débarrassé des oligarques, c'est vite, vite, on va retrouver, chercher les Jules César. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à un certain moment dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des civilisations, des sociétés plus exactement, il y a des moments de grande intensité et tension économique, intensité et tension économique, qui souvent donnent naissance à des expressions absolument prodigieuses. Alors, bon. Voilà, quoi. Alors, la littérature, par contre, peut préparer, car je lui accorde une souveraineté absolue, un pouvoir, elle peut préparer à des expansions. Elle peut préparer à des moments forts dans l'économie. Elle peut préparer à cela. Elle n'est pas simplement le résultat. Elle est aussi ce qui précède et qui produit, éventuellement, s'il se trouve qu'il y a une congrégation d'esprits intelligents, créateurs, forts, au même temps, au même moment, dans un lieu, ils sont capables à eux seuls de susciter, en quelque sorte, de l'envie économique, ensuite. Hein, il y a une richesse de la littérature que je trouve pas simplement patrimoniale, je déteste cette notion patrimoine, justement, mais au contraire, qui est le patrimoine du futur, de l'avant, quoi, le trésor de l'avant. C'est Pierre Ivard, dont je suis un des témoins de l'aventure, un des protagonistes de l'aventure de la forêt invisible. Je suis d'accord avec ce que Jacques vient de dire, des littératures sont portées effectivement par l'histoire, par la richesse d'un pays. Et ce que je voudrais dire, c'est que justement, il y a dans la construction de la forêt invisible, il y a quelque chose qui est resté impensé, à mon avis, qui est justement l'articulation entre la partie médiévale et le reste. On a affaire, en fait, donc à une littérature médiévale qui est une littérature portée par l'économie, Arras étant effectivement une des villes les plus riches économiquement et culturellement de l'Occident à cette époque. Et dans la seconde partie de l'ouvrage, qui regroupe donc ce qu'on a appelé le moyen Picard et le Picard moderne et contemporain, on a affaire à une langue qui est, comme on dit maintenant, une langue minorée. On a affaire à des écrivains qui se trouvent en quelque sorte dans une marge, qui se sont placés eux-mêmes dans cette marge, ou ils y ont été placés par les conditions sociologiques ou autres. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout pensé, me semble-t-il, c'est cette articulation entre une littérature triomphante, pour parler vite, et une littérature qu'on pourrait appeler une littérature un peu de loser, d'outsider, je ne sais plus comment on dit exactement, c'est pas moi l'angliciste. Bon. Et dans cette aventure d'un nuit,
Évidemment, la forêt invisible en étant une suite, mais c'est sur la forêt invisible que je veux insister. Il y a eu effectivement, pour moi, quelque chose de très curieux, c'est qu'il m'a paru tout le temps que je n'étais pas associé à ce projet. Je rétablis un simple fait, Jacques, tu as dit que tu m'avais sollicité, je n'ai pas été sollicité par toi, mais par René Debris, qui ne pensait pas pouvoir réussir à traiter le 19e et le 20e siècle. Donc j'ai été associé un peu par accroc à cette aventure, ce qui fait que j'ai dû travailler très très vite. Et moi, quand je considère la forêt invisible, je vois effectivement que c'est un monument, effectivement, mais je vois que ce monument est grevé par des erreurs méthodologiques considérables, et en particulier les miennes, et elles sont dues en grande partie au fait que j'ai dû travailler dans l'urgence, dans des conditions très difficiles, à la bibliothèque municipale principalement, on n'était vraiment pas aidé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, si je devais refaire la forêt invisible, je m'y reprendrais vraiment d'une façon totalement différente. Donc il me semble quand même que là, on a eu un petit problème de coordination, si j'ose dire. Et le plus grave, c'est qu'effectivement, cette articulation entre le Moyen-Âge et le reste, elle est là comme une béance. C'est ce qui me gêne toujours quand je regarde encore ce monument. Ben, Pierre, je ne t'avais pas vu, excuse-moi, mais je suis très heureux de te voir, d'une part, et je te salue. Ce que j'ai essayé de dire, je suis d'accord avec toi, ce que j'ai essayé de dire, c'était, tu as parlé de précipitation, de vague pour te concernant, tu sais dans quel tumulte nous étions à l'époque, enfin c'était un petit peu tumultueux, c'était un peu bousculé, on sortait de l'aventure d'inuit plus ou moins, et donc c'est, bon, on était dans un climat un petit peu de mésentente, et... Il aurait sans doute mieux valu en quelque sorte avoir un climat plus apaisé, plus pacifique pour pouvoir faire cet ouvrage. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait été fait. Il aurait peut-être été fait sans cette précision. Ton travail est extraordinaire. Le travail que tu as fait, même si tu déplores cette absence d'articulation théorique, et ça n'est pas facile, parce que c'est quelque chose à penser, c'est difficile d'y penser d'ailleurs. Tu y as sans doute pensé depuis, mais c'est pas simple de penser cette articulation. Le mot diachronique que j'ai employé est un mot utile, quoi, mais facile d'une certaine façon, et la diachronie dans la pensée, c'est pas simple, c'est quelque chose qui serait à faire. Mais le travail que tu as fait, tu as travaillé vite, d'une certaine façon, tu le dis toi-même, et remarquable. Tu as fait émerger quelque chose qui n'avait jamais été dans sa continuité, dans sa consistance et dans le choix des textes, parce que le choix des textes est remarquable. Il n'avait jamais été fait. Alors, il y a des imperfections, c'en est une, je suis bien d'accord, ça méritait un débat d'ailleurs, ça méritait une discussion et une réflexion. Comment peut-on... Alors, outsider plutôt, j'ai esquissé, j'ai essayé, mais je ne suis pas sûr de moi dans ce domaine-là, et je l'ai soumis, mais je l'en ai dit encore, c'est quand même la notion de dialecte, en quelque sorte, c'est le rapport au dialecte. C'est le rapport au dialecte et aux langues dialectales. Je déplace le sujet. J'ai côtoyé très longtemps, tu le sais d'ailleurs, l'Écosse. Alors je t'avais demandé de traduire un passage d'un poème de Hugh MacDiarmid, qui est le grand poète écossais, qui a écrit dans cette langue extraordinaire qui est la Nalans, une langue qui existait mais qu'il a contribué grandement à recréer, il l'a inventée autant qu'elle existait. Et tu as traduit, je te demandais de traduire en picard, d'ailleurs tu t'en souviens, donc ce passage-là, parce que je me voyais mal traduire ça en français. J'ai connu les poètes écossais, j'en ai connu un grand, un autre, sur les MacLean, qui écrivait en gaélique. Et la chose qui se... Il y a de grands poètes c'est un immense poète en gaélique. Je suis sûr que la traduction qu'il donne du gaélique, car il s'est traduit lui-même en anglais, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs, n'atteint pas le dixième de la force de son poème en gaélique. Et donc, il y a dans la littérature dialectale des perles, des trésors, mais qui, comment dire, ne passent pas, enfin, ont du mal à passer de par simplement le bassin linguistique
tout à fait étroit, enfin intriqué, dans lequel il s'exprime. Il y a un certain héroïsme, en fait, à écrire dans une langue qui n'est pas pratiquée ou qui n'est plus pratiquée. Il y a de l'héroïsme, il y a du plaisir, Dieu merci, parce que s'il n'y avait pas de plaisir, ça serait vraiment une corvée. Et il y a un plaisir communautaire. Mais il y a ce rapport, alors, grande littérature, littérature triomphale, littérature, comment dire, les centres économiques se sont déplacés, les centres, c'est une vision un peu marxienne, un peu simpliste que je donne, mais les centres économiques se sont déplacés, les centres... mais, à contrario, je pense qu'une entreprise comme celle-ci, d'ailleurs, il y a une forme de renaissance du Nord, en général, à l'heure actuelle. Moi, je trouve qu'il y a une renaissance. Il y a d'un seul coup des écrivains qu'on voit qui sortent, des gens jeunes, alors que ça avait été un désert pendant quelques siècles. Il y avait véritablement un désert. Et d'un seul coup, tous les gens utilisent, tu es le premier à faire ça, à utiliser toutes les ressources des langues, du dialecte, mais du français également, et tu joues là-dessus. On est à l'aube de quelque chose. Enfin, j'ose penser qu'on est à l'aube tous les uns les autres, Mélenchon aussi, on est à l'aube de quelque chose. On a fait une renaissance, peut-être qu'un jour on parlera, ça me fera une belle jambe, mais on parlera de renaissance picarde, de renaissance d'un espace, d'une littérature picarde. Alors que deux guerres mondiales, une oppression parisienne au 18e, ont complètement effacé la carte, enfin, ce glacis militaire qui était devenu la Picardie depuis que Louis XIV recevait une fessée dans l'hôtel des Trois Cailloux. Des langues qui ne correspondent pas à des... et qui n'en produisent pas moins des littératures extrêmement intéressantes. Alors évidemment, le cas de... des grandes langues européennes vient à l'appui de ce que vous dites, mais je pense que, par exemple, l'éclosion de la langue et de la littérature finnoise à la fois au XIXe siècle ne correspond pas à une grande puissance économique, militaire ou autre. Oh, alors là, moi je suis allé en Finlande récemment, à Helsinki. Et la Finlande, à la fin du 19e siècle, est un pays qui est en avance sur tous les plans par rapport à tous les autres pays européens. Qualitativement. Oui, donc j'aurais dû moduler. D'accord. J'aurais dû moduler et ne pas parler simplement de, selon les vieux termes de statistiques industrielles, j'aurais dû parler de qualité plutôt que quantité. Mais la société finnoise, à la fin du 19e siècle, on rappelle simplement cette chose, c'est que les Finlandais sont les premiers à donner le droit de vote aux femmes en 1898. Hein? Nous avons attendu combien? 45? 47? Enfin, 45. 1898. Le nombre de peintres, quand on va au musée d'Helsinki, de qualité, de talent qui sont des femmes, c'est extraordinaire. C'est une société. Aujourd'hui, la Finlande, qui est un petit pays, qui ne vaut pas simplement que pour ses téléphones Nokia, mais qui sont une grande part de sa puissance, et comment, la Finlande est le premier pays, au terme de l'OCDE, selon les termes de l'OCDE, au point de vue réussite scolaire. Réussite scolaire, et aujourd'hui, je vous rends tout de suite la parole, monsieur Eloi, mais la Finlande est vraiment un modèle extraordinaire, en travaillant deux fois moins que les Français, en travaillant deux fois moins que les étudiants français. Ils ont des résultats nettement supérieurs dans tous les domaines, mathématiques, lettres, enfin ainsi de suite, qui sont absolument... C'est un pays qui ne fait pas de bruit, c'est un pays qui est discret, c'est un pays extraordinaire, vraiment extraordinaire d'efficacité et de qualité. Bon, voilà. Parfait. Alors, excusez-moi, du coup, je suis d'accord, c'est que c'est sur des questions de qualité que ça se passe. Oui, oui. Et de ce point de vue-là, donc, il n'y a pas de complexe à avoir selon qu'on est petit ou grand... En quantité. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, moi, je voulais revenir sur cette articulation que signalait Pierre Rivard comme un manque. Et justement, je crois que ça, quand on y pense, ça apporte quelque chose de vraiment essentiel dans notre histoire. C'est que l'erreur
a probablement été dans ce concept de moyen picard qui a été imité de la littérature française. Alors, c'est Flutre qui avait lancé cette étiquette-là, en particulier avec quelques erreurs de date, hein, de datation des textes qui l'intéressaient. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que ce concept-là doit vraiment être supprimé, gommé. Pourquoi ça? Parce que quand on arrive au 15e et a fortiori 16e siècle, la littérature franco-picarde, hein, la littérature, cette partie de la littérature française qui porte du Picard, a à peu près disparu. Il n'y a presque plus rien au XVIe siècle qui s'écrit dans une langue teintée de Picard. Et après ce vide, il y a un rebondissement, mais surtout un changement de nature. C'est-à-dire que ce qui renaît, ce sont des textes burlesques, des textes scatologiques, des textes frondeurs. Hein, la fronde a joué un rôle essentiel. Et tout le développement jusqu'à aujourd'hui sort de là. Développement de la littérature et du coup, prise de conscience de la langue. Alors j'apprécie beaucoup cette idée que la littérature dirige le sort de la langue. Hein, tout en étant linguiste, je suis tout à fait d'accord sur ce rôle essentiel de la littérature. Mais justement, cette littérature et cette langue qui naissent et qui montent depuis ce temps-là, hein, je ne vois aucune raison de les appeler dialectales, parce que c'est exactement la même histoire qui s'est passé pour la littérature et la langue française à partir du règne de Charlemagne jusqu'au XVIIe siècle. L'histoire se recommence en deux tranches successives. Une première fois, c'est la langue et la littérature française qui sortent du latin. Une deuxième fois, c'est la langue et la littérature picarde qui se manifestent, hein, au sens d'une épiphanie, finalement. Et nous en sommes encore aujourd'hui témoins, et on essaye même d'être acteurs. Je comprends votre point de vue. Mais je ne suis pas loin d'être d'accord. C'est effectivement, c'est une vision, en quelque sorte, vous alliez dire, me semble-t-il, à un moment, et finalement, la littérature picarde sort de la littérature française nationale, et si je comprends bien, et d'une certaine façon, et elle est à l'aube, au balbutiement, on en est encore au début, quoi. C'est un peu dans une perspective, je me trompe, ou est-ce que c'est ça que vous entendez? On en est un peu plus qu'au début. Oui, je veux dire, l'affirmation est quand même déjà bien nette. Et une question, j'aimerais bien que vous précisiez ce risque d'enfermement ou de... D'abord, un petit point, si vous voulez. Vous savez, il était extrêmement difficile de faire démordre René Debrie de son moyen picard. Hein. C'était impossible. Quoi. Il était assez bloqué sur certaines choses et c'était pas possible. J'ai eu beaucoup de mal avec lui. Je n'avais pas le discours pour lui parler. Hein. Puis il me considérait comme étant vraiment l'étranger, quoi, l'intrus. Quoi. Bon, j'étais aussi picard que lui. Hein. J'étais aussi picard que lui. Enfin, coupé à son âme et je voyais ça avec une certaine distance malgré tout. Mais ce que vous dites me fait penser à une chose, et j'ai tout de suite été vérifié dans la table des matières, des noms propres, et il y a un absent de marque. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est pas bien aussi. Un absent de marque dans cette liste du XVIIIe siècle, c'est le fameux Vadet. Vadet le Péronnet, de Péronne, et qui est l'inventeur de la langue poissarde, qui faisait fureur à la cour de le Verlan, enfin de la cour de Louis XV, Louis XVI, au XVIIIe siècle. Et ce Vadet est un picard, et la langue poissarde, c'est-à-dire c'est la langue des poissonniers. On sait que les marailleurs de Picardie étaient ceux qui acheminaient le poisson, et à toute vitesse, par les chemins des marées à la cour. Et il invente une langue qui est fortement, autant que je sache, j'en parle un petit peu de loin, mais fortement picardisée,
et qui est un Français, enfin, c'est un Français complètement déjeté, quoi, déjanté, facilement, et qui a beaucoup de... Bon, ça pour dire, le XVIIIe siècle, effectivement, il y a certainement d'autres perspectives, à la Fronde, vous disiez, le XVIIIe siècle ensuite, il y a des perspectives qui, effectivement, font que le Picard, ça se dissocie, enfin, il y a une branche qui se dissocie. La seule que je ne sais pas du tout, c'est quel était l'état, et que vous ne savez pas non plus, qu'on ne sait pas... Jacqueline Picot, je le rappelle au début de sa préface, c'est quel était l'état du dialecte picard parlé dans la rue à Arras au XIIIe siècle. Et donc ça, il y a peut-être une continuité extraordinaire, il y a peut-être une continuité souterraine qui est extraordinaire entre ces picards-là. Le picard dit parler, plutôt que le picard dialectal dont on parle, un picard écrit. Ça, c'est ça, hein, effectivement. Alors, vous me demandiez, mon avis sur... Je sais plus. Une allusion vous avez faite à un risque d'enfermement aujourd'hui, une évolution qui serait je sais pas quoi dire. Moins glorieuse que celle du Moyen-Âge. Je n'ai pas dit moins glorieuse, du tout. Je crois que le travail est. C'est comme le travail littéraire, quoi. Le travail littéraire, il est terrible. Il est terrible. Il est dur, quoi. Il est très dur. Il est très dur. Je dis des choses un peu banales, mais qu'est-ce que c'est dur le travail littéraire? Qu'est-ce que c'est ingrat? Qu'est-ce que c'est ingrat? C'est-à-dire que. Quels sont les modèles? Dans le fond, la question, c'est quels sont les modèles? Parce qu'on a besoin de modèles. Il y a des gens qu'il faut qu'on imite. Et c'est pourquoi, je le dis, là, l'effet, en quelque sorte, centralisateur parisien nous handicape de façon terrible. Et c'est moi qui suis parisien d'adoption, je le dis d'autant plus facilement. Je garde ma critique picarde. J'oublie pas ma part picarde, simplement. J'essaie de jouer, d'ailleurs je reste en marge, moi, du monde parisien. Et pas du tout intégré en apparence comme ça, mais pas du tout. Je veux dire, mais là, un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne, avec cette fédération de villes en Italie, cette fédération de régions, presque de nations en Espagne, me paraît beaucoup plus en avance que nous dans ce domaine-là. Beaucoup plus en avance. On part avec un retard. Enfin, un retard. On part avec un quelque chose de, comment dire, historiquement qui est dur à se mettre en place, qui est long à se mettre en place. Zanzotto reste au-dessus de Venise, là, comme ça, dans son pays, dans son fief, et en étant extrêmement moderne d'écriture, très très moderne d'écriture, et en même temps très 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 local, dialectal. Et ça nous est difficile. Moi, je pense que ça nous est difficile. Moi, je bascule, par exemple, je fais mon autocritique, je suis basculé parce que j'ai suivi un cursus, un parcours de fils d'instituteur de l'école laïque républicaine, pour qui il fallait monter les échelons, et puis être dans les grandes écoles, et en allant, en montant comme ça, je me suis finalement affiné dans mon français, mais j'ai perdu, en quelque sorte, la part substantielle, du village dans lequel j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, de la communauté, et je suis désarmé devant cette communauté. Je ne suis jamais retourné dans mon village. C'est quand même étrange. Et je ne peux pas. Et donc c'est quand même étrange. Je ne peux pas être dans la mesure, alors que j'étais intégré comme c'était pas possible, quoi, dans les gens, avec les fermes, les fermiers, il y avait des gens avec qui je parlais picard. Enfin, je l'écoutais, j'entendais, je comprenais. Et donc je me suis délesté, en quelque sorte, dans mon parcours universitaire. Encore une fois, de fils d'école républicaine, je me suis délesté de cette substance locale, en quelque sorte, et que je ne sais pas, que je ne peux pas réintégrer, sauf sous forme éventuellement de thèmes géographiques, de choses comme ça. Et puis en plus, le fait d'être passé du côté de la frontière, d'avoir traversé la frontière vers les langues germaniques, je ne peux pas revenir des langues germaniques vers le picard, qui est pourtant plus proche, à l'origine, comment dire, des langues germaniques, du moins pour ce qui est de l'accent et pour ce qui est de la non-palatalisation, en particulier, qui a été retenue par rapport au français, tant que je sache, par une forte consonance germanique, puisqu'il y a eu un mélange de populations gallo-romaines et germaniques dans tous ces pays-là. Et donc, mais je ne peux pas récupérer cette part manquante dans ma région sud, très très conscient. Et si j'ai une forme de handicap, si je puis dire, par rapport à quelqu'un comme Verheyen, qui, lui, a travaillé sur son wallon populaire et a travaillé sur le lexique, moi, je peux mettre un mot comme ça, j'ai dit « ennui », parce qu'on a lancé ce mot-là. Parce que je revois la scène précise du camarade de 11-12 ans,
m'employant ce mot-là pour la première fois, parce que très souvent c'était Astor. Dans la cour, c'était Astor, on va faire telle chose, comme ça. Bon. Et puis, un jour, et je me souviens du moment précis, de l'heure précise, il était 5 heures du soir, c'est quand même étonnant comme souvenir. 5 heures du soir, quitter la cour d'école, dans le soir tombant déjà, ça devait être du février, chose comme ça, et il me dit qu'est-ce que je vais faire à la nuit, on va faire des choses. Et je dis quoi, qu'est-ce que tu dis? Mais le fils d'un site, quoi, qui disait, jamais entendu ce mot-là. J'avais jamais entendu, il était rarement employé. Très rarement employé. Et dans le fond, toute ma vie, j'aurais été, c'est peut-être comme le Rosebud dans Citizen Kane, j'aurais été emporté par ce mot. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, c'est une révélation. C'est une véritable révélation. Alors, voilà, j'ai fait mon autocritique, comme souvent, ce qui concerne justement cette partie de la littérature. Mais. Je pense qu'il faut traverser toutes les frontières. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de grande littérature tant qu'on ne traverse pas toutes les frontières linguistiques, quelles qu'elles soient. Et d'où ma colère contre ce qui se passe en Belgique aujourd'hui, et colère d'où, et à la fois contre les Flamands, stupides, avec leur vision, en quelque sorte, romantique, archéo-paléo-romantique de la langue comme étant lieu de pureté, entre nous, hein, qui parlent d'étrangers, racisme absolu, quoi, c'est évident, xénophobie totale. Et puis les francophones qui sont aussi stupides. Moi j'ai vécu en Belgique très souvent dans une partie de ma famille, on disait les flamands sont des cons, les flamands sont des lourds, les flamands sont idiots, les enfants n'apprenaient pas le flamand, enfin ainsi de suite quoi. Incroyable qu'on ne puisse pas être bilingue dans un pays bon sang. Invraisemblable quoi. L'Europe n'existera jamais, c'est pas difficile. Bon, enfin voilà, donc d'où l'importance pour moi des traversées de frontières. C'est un des thèmes fondamentaux de mon travail. Je réfléchis, je ne cesse pas de réfléchir à ce qu'est la frontière, frontière entre les langues, frontière entre les pays, frontière... Bon. Oui. Je souhaiterais poser une question aux écrivains qui s'expriment en picard, justement, à la suite de ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils... s'expriment en picard, alors qu'ils sont tous évidemment également francophones, qu'est-ce qui se passe dans leur tête qui fait que leur inspiration est en picard, ou que leur inspiration est-ce qu'ils écrivent aussi en français? Au Moyen-Âge, bien sûr, les gens, je crois qu'ils ne se posaient pas la question, est-ce qu'on écrit en picard? Ils écrivaient comme ils écrivaient, tandis qu'aujourd'hui, un écrivain picardisant, c'est un choix de s'exprimer en picard. Alors, au-delà de l'acte militant, qu'est-ce qui se passe qui fait que le processus de création, l'imaginaire, il se déclenche en picard ou il se déclenche en français? Il faut répondre. Il y a Pierre, il y a Jean-Luc, il y a Jacques, Dupuy, et donc c'est à eux de répondre. Moi, je ne peux pas répondre, puisque je me suis exclu, justement, par ma réponse précédente de cet état de fait. Bon, bah, lui, il pourrait arriver ici, je vais répondre pour ma part, mais je suis sûr que c'est très différent. Chacun a sa façon. En ce qui me concerne, je ne fais pas. Au début, j'ai beaucoup peiné parce que le picard, j'ai dû le réapprendre. C'est une langue que je parlais très mal. En plus, j'ai été à cheval sur plusieurs, si j'ose dire, sur plusieurs formes de picard. Et puis, c'était très difficile de faire une. En l'occurrence, moi, j'étais. Poète, c'était très difficile d'écrire de la poésie, une poésie qui se voulait, une poésie un peu expérimentale, avec une langue qui était un peu résiduelle malgré tout, et où le lexique s'était restreint, où des mots existaient comme le mot ami, effectivement, mais qu'on entendait un peu par miracle, des mots surgissaient comme ça quelquefois de la mémoire des gens, mais on sentait bien que malgré tout, la pente de la langue allait vers... la déperdition. Donc au début, j'ai beaucoup peiné. J'ai beaucoup peiné pour écrire parce que je pensais plutôt en français. Il fallait donc que je passe d'une pensée en français à une écriture en picard. C'était vraiment très, comme disait Jacques, écrire, c'est quelque chose de très difficile et souvent ingrat. Bon, on s'imagine pas par quels affres passent les créateurs en langue. Et puis, finalement, je me suis en quelque sorte assoupli au picard, ce qui fait que maintenant je ne fais pas de différence. Je peine autant en picard qu'en français, et pas plus. Donc je pense aussi en picard, je pense avec des lacunes,
Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, parce que malgré tout, on est à côté du français, nécessairement, et on est quand même sur une sorte... on doit fonctionner, passez-moi le mot, on doit fonctionner avec cette opposition du français, avec ce grand frère qui est là à côté, et auquel il faut penser tout le temps, et dont l'ombre portée est sur nous, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand on s'est un peu déculpabilisé, je pense que c'est à peu près la même chose d'écrire en picard ou en français. Mais je pense que mes camarades, comme Jean-Luc Vigneux, doivent avoir une autre expérience de la chose. Et François Rouvy. Merci. Oui, j'écris en picard. J'ai appris le picard chez ma grand-mère, chez ma tante, où j'allais en vacances. Je suis bourbésien, de père breton. Et le picard, je n'y faisais pas attention. On me disait que c'était de mauvais français. Lorsque je rapportais en ville un mot picard, je ne sais pas bien. Et le temps a passé. Et lorsque j'ai eu 14 ou 15 ans, je me suis dit, mais c'est quand même intéressant. Seulement, c'est toujours interdit. Et un beau jour, je suis tombé sur la revue Écritra. J'avais environ 21 ans. Et j'ai vu que des universitaires s'intéressaient au picard. Et je me suis dit, ce n'est pas si paysan, si plouc, comme on disait. Et j'ai commencé à faire un petit lexique dans le village de naissance de ma mère, et aussi mon village de naissance, parce que je suis né à Sarcus, mais c'est par accident, c'est-à-dire que c'était le débarquement en juin 1944, et ma mère est allée se mettre à l'abri chez ses parents. Mais j'ai toujours vécu en ville. Et alors le picard, eh bien, il m'avait... j'étais imprégné par le picard sans m'en rendre compte. Et lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai beaucoup lu, ensuite j'ai voulu écrire en français. Alors là, j'ai eu un préjugé. J'ai écrit le français de l'école, le français académique, un français plutôt ampoulé. Et puis, le picard a repris dessus. J'ai fait un dictionnaire de picard, de Beauvaisis. Et je me suis mis à écrire franchement en picard. Et je me rends compte d'une chose, c'est que lorsque j'écris en picard, finalement, ça demande un effort, mais ça me semble plus naturel. Et je le traduis après presque simultanément. Je le traduis en français. Et je trouve que le français qui vient de mon picard est beaucoup plus naturel. C'est un français, disons, plus proche du français parlé couramment. Ça n'est plus le français académique, ça n'est pas ce que j'ai appris à l'école, ce n'est pas Victor Hugo, ce n'est pas Verhaeghe. Alors je pense en picard, et comme j'ai fait un dictionnaire en 19 ans, hein, il m'a fallu 19 ans pour le faire, les 10 000 mots, et bien, grâce à mon dictionnaire, et bien, les mots me reviennent. Parfois je cherche, l'autre fois ça vient tout seul. Et vous parliez de la nuit. Eh bien, la nuit, je me souviens, quand j'ai appris ce mot-là, j'avais 5 ans. C'était à Beauvais. Et il y avait une demoiselle, une vingtaine d'années, c'est une grande fille pour moi. Et elle venait le préviller près d'Anguillet, dans l'Oise. Et elle prononçait différents mots. Et vous souviens de la nuit, parce que j'ai confondu avec la nuit. Et on était en plein jour. Donc les mots se sont imprégnés en moi. Et maintenant, eh bien, je les utilise pour la littérature. Je voudrais dire aussi deux mots sur René Debry, qui était pour moi un ami, un guide. René Debry, bon, il y a eu ce fameux moyen picard, c'est sûr qu'il a dû se tromper là-dessus. Mais autrement, c'était vraiment quelqu'un qui entraînait. Oui, pour les sportifs, on dirait un entraîneur. Et Pierre Garnier dit nos collectives, et c'est vrai, et il a rassemblé, il a eu le mérite de rassembler tous les picardisans de la Somme et d'ailleurs, et c'est comme ça que je l'ai connu, parce qu'un jour j'ai reçu une lettre, il m'a dit, j'ai entendu parler de vous, et je voudrais avoir avec vous une conversation utile. Et elle était très utile, puisqu'elle a débouché sur le dictionnaire, pour lequel il a été comme un directeur de recherche. Alors ensuite, eh bien, je me suis mis à faire de la littérature, si on peut dire,
Et ayant quitté l'école un peu avant 16 ans comme Fidastebeg, eh bien j'ai fait ma thèse sur Fidastebeg et j'ai soutenu ma thèse à 58 ans à l'université de Paris 10 Nanterre. Mais Picard est toujours là, d'ailleurs Fidastebeg a écrit aussi en Picard et je continue à écrire en Picard. Voilà. François, je te salue. Quasiment tous les conférenciers sont là. Deux petites précisions, si vous permettez de rebondir sur la question. Jean-Joseph Vadet était à moi, un protéron. Il est à moi et pas à moi. Il a vécu à Paris, il a fait ses études à Paris. Et son écriture, pour ce que j'en ai ressenti, elle est plus proche avec une relation dans le temps qui est peut-être un peu, même beaucoup hasardeuse, et beaucoup plus proche pour notre français d'aujourd'hui de Michel Audiard que du Picard. Pour moi, c'est Michel Audiard de son époque, c'est un regard comme ça qui utilise une langue française, parisienne, il n'utilise pas une langue Picard, mais il faudrait rentrer dans le texte. On ne va pas se chamailler. Pardon. C'est pas le but, mais je dépense. Non, je conçois qu'il soit pas dans la forêt visible. Deuxième précision, c'est par rapport à ce que disait Jean-Michel Éloi. Je pense que Jacques n'a pas bien compris. Le Picard, l'articulation souhaitée par Pierre Rivard, je pense que Jean-Michel l'a bien décrite. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ça semble acquis. On est accueilli par Langue et Culture de Picardie, la publication qui a été faite il y a 6-8 mois d'ouvrage de Fernand Carton, justement sur la période dite du moyen Picard, avec l'ensemble des textes qui sont présentés. Ça vient étayer le propos, le moyen Picard n'existe pas, l'affaire est réglée. On arrive directement au Picard, la période moderne et contemporaine, et l'articulation de la nouvelle écriture se fait comme le Picard, non pas comme le. Mais c'est peut-être encore Jean-Michel sort du français, mais le Picard se sort du français. Il est à côté, donc je rebondis sur ce que dit Pierre Rivard, c'est-à-dire que quand on écrit en Picard, on est dans l'ombre éventuellement du français, on est à côté d'eux, on n'est pas issu d'eux. Certes, on est bilingue et peut-être français de première langue, je ne suis pas tout à fait persuadé, mais on va l'avoir. Mais le Picard, dans l'articulation, il y a Picard du Moyen-Âge, qui a une façon d'histoire, qui a sa description, les lacunes qui font que on ne sait pas comment il était parlé. Et puis l'écriture postérieure, à partir du XVIIe, pour être en gros, et surtout, et plus on va avancer, plus il va y en avoir, et on se sort du Picard. Alors voilà, la question, la première réponse, c'est bon, c'est rien, j'écris en Picard parce que je pense en Picard, pour la ligne, pour dire après, là, je commence par penser. Et quand je pense en français, j'écris pas. Quand je pense en Picard, ça écrit, voilà, ça écrit, et c'est. Voilà, c'est tout. Après, c'est exactement ce que tu as dit, Pierre. Le résultat n'est pas le même. Mais la pensée, puis. Il y a quelque chose à dire aussi. Il ne suffit pas de penser. Il y a quelque chose à transmettre. Alors, des choses que je transmets à ma famille, hein, les cartes de vacances. Hein. Mes cartes de vœux, la nouvelle an, c'est la corvée pour tout le monde. Moi, en Picard, ça ne pose aucun problème. Alors, l'année où je vais les faire en français, c'est de corvée phénoménale. Mais je ne dis pas ça pour faire le malin. Hein. Et puis en français, non. Et puis en Picard, oui. Voilà. Alors après, il y a l'autre écriture. Celle que j'accroche à la littérature. Et sans flatterie, mais je veux dire que la forêt invisible, avec tous ses défauts. Et il y en a plein d'autres qui n'ont pas été énoncés, et je voudrais en dire un petit mot après. C'est un moment important, c'est un jalon important dans l'écriture du Picard depuis bien avant la Révolution française jusqu'à après-demain. Il y en a d'autres jalons, mais celui-là il est important. D'abord parce que c'est un bouquin qui a été attendu. Deux ans et demi de cogitation avant son édition. Ensuite, parce que c'est un bouquin qui est sorti à la Maison de la Culture d'Amiens, puis quand même le discours de Malraux dans l'inauguration
la maison de la culture d'Amiens, c'était pas franchement pour faire sortir la culture locale en local. C'était pour amener le TNP à Amiens, c'était pour amener la culture, sortir la France de ce horrible mot de province. Hein. C'est ça le discours de Malraux. Et donc là, il y a un bouquin en picard qui sortait à la maison de la culture d'Amiens, à une époque pas tout à fait innocente, tu l'as rappelé, avec le picard à l'école, avec un certain nombre de choses. À savoir à quel point, tu vois, il y a un point de précision que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à quel point Gattegnaud, qui a eu un mal fou à faire accepter à Dominique Talon, qui à l'époque était le secrétaire à la Maison de la Culture et qui s'occupait du théâtre, parce que Maison de la Culture, ça voulait dire théâtre. Et ça a été la première fois que dans une Maison de la Culture, et ça faut le dire parce que c'est historique également, première fois qu'il y avait un secteur d'édition. Et d'ailleurs, le refus, en quelque sorte, a été terrible de partout. Les théâtres, les gens de théâtre n'admettaient pas, c'était inadmissible. C'était de l'argent qu'il aurait été pris. Et en plus, c'était de l'édition en picard, pour le coup. Donc c'était un bouquin de photo, oui, dans ce cas précis, voilà. Oui. C'était encore plus violent. Hein. Si ça avait été pour éditer du théâtre, ça serait peut-être passé mieux. Oui, bien sûr. Non, c'est vraiment un moment important. Ça a été vécu aussi, Jacques Darras l'a rappelé, en lien avec l'éducation, c'est-à-dire que ça a été longtemps appelé comme le Lagarde des Michards, tout le monde comprend, va sortir, le Lagarde des Michards du Picard va sortir, vous allez avoir un ouvrage pédagogique avec une présentation chronologique, etc. Vous regarderez le bouquin, vous le relirez. Et donc, il était attendu. Et il a dérangé par sa couverture d'abord. Bon, moi, j'ai tout de suite cru que c'était une réédition de l'album blanc des Beatles. C'est ma perception. En relief, blanc, vous voyez rien. Et après, je dis non, c'est pas exactement la même chose. Mais je savais pas le coup de l'imprimeur, je savais pas. Et oui, parce que justement, de rendre invisible le mot invisible, déjà, c'est très fort. La forêt, la cathédrale, ce lien. Je me souviens que ça avait été fait à l'inauguration du bouquin, la présentation du bouquin. Cathédrale, étymologie du mot, la forêt, voilà, la cathédrale, et tout de suite on est arrivé sur le parvis de la cathédrale, et on changeait, tout ça de mémoire, je revois à peu près l'époque, et alors ça a dérangé par son contenu, et j'en viens aux deux remarques, je suis désolé de tourner le dos. Un ensemble de personnes ont été contactées au deuxième degré, comme le disait Pierre tout à l'heure. En particulier Laurent Delaville, qui était contacté pour un chapitre, je ne sais pas moi, c'est pas moi, peut-être correct, sur la littérature orale. Je ne sais pas s'il l'a écrit, s'il ne l'a pas écrit, en tout cas ce n'est pas dans le bouquin. Et donc il y avait une espèce de frustration, disant « Ouais, mais la littérature orale, c'est important, les folkloristes au 19e, ils ont sorti des trucs, il faut en parler, et puis Picard s'est à parler, et puis voilà. » Bon, ce côté un peu excité, disant « Ah, pourquoi qu'il y a que la littérature, pourquoi elle serait qu'écrite? Pourquoi qu'elle serait que transmise par écrit ?» C'est pas complètement faux. On possède en nous des histoires de tradition orale, donc c'est de la littérature orale. Bon, c'est pas complètement faux, mais c'est pas devant. Bon, c'est pas complètement gênant que ça y soit pas, mais ceci, bon, ça serait peut-être mieux que ça soit. Mais s'il y a une réédition, il y a des chapitres à remettre. Et l'autre aspect qui a fait débat, alors là, il n'était pas à Viennois, il était à Villois, Aimé Savary était. Alors je sais pas, à ce moment-là, il s'occupait des Picardisans du pont du Vimeux. Quand je dis qu'il s'en occupait, c'était à la période où le groupe des Picardisans s'est institutionnalisé en association. Donc il fallait qu'il y ait un président, un secrétaire, un trésorier. Il en était le secrétaire. Et donc il était. Il a été jusqu'à sa disparition, très très actif pour le Picard. Et Aimé Savary était en lien, alors je ne me demandais pas non plus par quelle filière, avec la forêt invisible, et on lui avait demandé, un inventaire des Picardisans de l'ouest du département, et il avait rédigé une liste de personnes qui s'étaient plus ou moins réunies autour de Gaston Vasseur au sein des Picardisans, mais quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire il y avait ceux autour de Gaston Vasseur, puis les autres qui étaient issus de d'autres générations et d'autres vœux. Et puis, dans la forêt invisible, quand on lit le bouquin, par exemple, Aimé Savary avait sorti avec son compère Julien Fred un bouquin, deux bouquins en un seul, si vous voulez, qui s'appelle Etchette et puis Vasseurie.
Et dans Le Forêt Invisible, on parle des Tchèques, des Bessavari, et on parle pas à ce prix de Jules Dufresne. Ce qui est quand même pas mal, quand même. Faut quand même le faire, hein, pour dire. C'est pas mal. Mais donc, du coup, forcément, ils étaient compères d'école normale depuis 1934. 50 ans après, il y en a un qui est, on va dire, entre guillemets, à l'honneur, et puis l'autre qui est, on sait pas, il est laissé dans la marge. Et bah, du coup, les Picardisans, ils se sont dit, ouais, bah, la maison de la culture, à Amiens, sont bien gentils, ils ont fait un livre, mais bon, ils ont oublié l'essentiel, quoi. Parce que les auteurs Picardisans, du Vimeux en particulier, quand tu aussi, surtout du Vimeux, parmi eux, on détache un certain nombre de personnalités qu'on estime être des grands littérateurs. Et puis ils sont absents. Pas tous, hein, mais on va pas faire un compte, c'est pas le problème. Ils sont pour certains absents. Et puis il y avait des gens qui sont dans le bouquin, dans la partie récente, hein, la partie compilée par Pierre Rivin. Il y a des gens qu'on connaissait absolument pas. Ils ont été chercher des inconnus. Ben oui, ils ont été chercher des inconnus. Ben, hey. Un peu ça, d'un vu d'avocat. Et puis ils ont oublié des gens qu'on aime bien. Quoi. Voilà. Donc, ça a fait un autre débat. Et total, résultat des courses, un an et demi après la sortie de La Forêt Invisible, il y a une anthologie des Picardisans qui est sortie sous le titre de Vin d'Amont. Et donc ça a suscité un autre bouquin qui a été fait d'abord en réaction à La Forêt Invisible et puis, ben, je veux dire, en complément. Quoi, hein. Mais ça s'est pas passé méchamment. Hein, je veux dire, ça s'est pas passé non plus avec le sourire, c'est un peu dans la même ambiance que ce que Jacques Darras nous racontait tout à l'heure. Et puis là, 22 ans après, 23 ans après, les Picardisans viennent de sortir une deuxième anthologie pour les 40 ans d'existence du groupe. Bon, pour dire que, en fait, la provocation de ce livre est peut-être plus importante. Moi, j'en ai un ressenti plus important que ce que Jacques Darras a peut-être montré. C'est-à-dire que, certes, il y a une évolution avec le bouquin de Fossier, avec le bouquin coordonné par Debris, puis aussi celui chez Bonneton qui a marqué en 1980, dans lequel il y avait une page littérature faite par Jacques Vigné, littérature française, et puis une page de littérature picarde. Il a été réédité, ce bouquin, récemment, mais dans sa première édition, il apportait déjà quelque chose. Et celui-là, il apportait un pavé dans la marge, sa forme, son volume, ça a toujours été, et c'est toujours considéré comme un pavé qui plus est difficile à ranger dans une bibliothèque ou chez un libraire. Donc il a un format tout à fait qui ressemble à rien, quoi. C'est même pas 45 tours, donc ça va pas. Les personnes qui l'ont eu entre les mains, ont tous été satisfaites. C'est-à-dire que personne ne pouvait prétendre d'emblée connaître tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Et tout ce qui manque, je dirais à la limite, c'est pas grave, puisque c'est fait pour susciter la curiosité aussi. C'est fait pour aller au-delà. Il n'y a que des extraits de texte, il y a des traductions à côté, donc les personnes qui maîtrisent mal le Picard vont directement au français sans passer par la case Picard, donc ils ne rentrent pas dans le Picard en texte, mais ceux qui rentrent dans le Picard en texte, ils veulent avoir tout. Je veux dire, il y a toute une mécanique qui se met en branle, et et je pense que ça demeure jusqu'à sa réédition. Une étape très importante dans notre littérature, dans la visibilité de notre littérature à proposer alors à tout le monde, hein, à nos édiles, à nos enfants, à nos enseignants, à nos animateurs XY. C'est quelque chose qui rend le Picard visible vraiment. En fait, j'ai pas vraiment de questions à poser, mais ceci dit, ce que je dis, ça peut être aussi un petit peu... Tu sais, Jules Dufresne, c'est normal, il y a des erreurs dans un livre comme ça. Jules Dufresne, moi, j'ai sauté sur ses genoux. C'était l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré sur Terre, le plus optimiste, le plus... J'ai jamais rencontré un homme aussi joyeux sur Terre. Jules Dufresne. C'était extraordinaire. Et donc, c'était la même promotion que... Non, une promotion un peu plus jeune que mon père, hein. Et que, oui, bon, et donc Savary, Dufresne et mon père qui n'avaient pas l'humour de ces gens-là, de Savary et Dufresne, étaient des gens, des copains, quoi. J'ai connu Jules Dufresne, et donc. Mais il faut bien dire une chose quand même, c'est que Jules Dufresne, s'il a toujours eu, comme mon père, un intérêt, et ça je rends hommage à l'Ufoléa, c'est une chose qui me paraît complètement désuète, et vous ne savez même pas de quoi il s'agit, j'imagine. C'était cette association qui faisait faire aux instituteurs, qui faisaient un travail extraordinaire, quand j'y pense, c'était incroyable ce qu'ils faisaient, qui en plus de leur école, leur travail,
faisais des répétitions de théâtre, et quelles répétitions de théâtre ? Et donc, il y avait toujours une pièce en Picard. Et Jules Dufresne, comme mon père, faisait dans son village du théâtre en Picard. Le théâtre en Picard était fait. Alors, moi, Jules Dufresne, il faut bien dire une chose quand même, c'est que ces instituteurs-là, et ce serait intéressant, j'espère qu'un jour il y aura un livre qui sera écrit sur ces instituteurs. D'abord, c'est des Vimeusans, et c'est très spécial le Vimeux, pas la peine de faire un dessin, vous le savez tous. Et donc, j'ai un côté, moi j'ai une moitié Vimeusane et une moitié flamande, donc ça explique ma position d'une certaine façon. Mais ces Vimeusans-là, ces instituteurs Vimeusans, ils ont d'abord été instituteurs de français. Il faut bien mettre les choses au point, ils ont enseigné le français. Et puis, c'est du Picard en se délassant. Et ils sont surtout faits du Picard quand ils ont été en retraite. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à produire de façon extraordinaire. C'est du reste, c'est ça là-dessus que je veux dire. C'est prodigieux, cette vie coupée en deux, cette vie divisée en deux. Le français de l'école laïque dans un premier temps. Et puis, une fois qu'ils avaient fini leur métier, paf, ils passaient au Picard qu'ils avaient refoulé. Enfin, pas vraiment, pas totalement, mais qu'ils avaient complètement refoulé. Et donc, ils ont eu deux magistères, en quelque sorte, un magistère de français et un magistère du Picard. Et je peux le dire parce que je les ai côtoyés, moi, et je les ai côtoyés depuis le très jeune âge. Ils venaient dans la cour de récréation le jour des certificats d'études, et je les attendais avec impatience, parce que Savary et Dufresne, avant que vous ne soyez nés, je les ai connus, et j'étais absolument plié de rire quand ils étaient là. Je me disais, enfin, on va rigoler, quoi, avec ces deux-là, de Lascar. Mais ils sont devenus vraiment picardisants, en quelque sorte. Enfin, ils ont donné toute leur saveur, même chose pour Schliss, pour Chivot, uniquement quand ils ont eu fini leur sacerdoce laïque républicain de français. Et c'est assez étonnant, quoi, ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose. On se dit, ah tiens, il se passe quelque chose, d'un seul coup, et la France redécouvre, ils ont redécouvert, en quelque sorte, des racines. Non, je ne suis pas d'accord. Savary, il n'a jamais laissé, moi je l'ai eu comme assis, oui. Il n'a jamais laissé Picard dans la cour. Il le mettait aussi en place. Alors ça, je ne savais pas. Oui. Savary, quand je l'ai eu, quand j'avais 9 ans, Jean Vasseur m'a pris à écrire, il est là, le fils de Gaston. J'ai vu. Et puis Savary, ça a été mon dernier instinct. J'ai souvenir très très précis, moi, j'étais en fin d'études première année, ça s'appelait comme ça ce moment-là. Ah oui. J'étais en avance, je pouvais voir en 6 yeux. Il faut faire un année avec lui. Et puis... pour expliquer à ces gros cancres qui allaient passer le certificat d'études et qui n'allaient peut-être pas l'avoir, quoi, il fallait vraiment les motiver, et leur expliquer les règles grammaticales du français, le son en, ça s'écrit EN ou AN, bah, tu le dis au Picard. Et si ça fait un, c'est EN, si ça fait en, c'est AN. Voilà. Et c'était comme ça toute l'année scolaire. Alors, ça marche pas pour tout, mais ça marche pour beaucoup. Panier au Corneille. Mais non, c'est pas ouvert sa bouche, c'est herbeillé chez Corneille. Voilà, payé, herbeillé. Tu sais ce que ça veut dire, herbeillé, Anok? Hein, oui, bon, allez, voilà. Et c'était ça, les cours. Ah, bien sûr, c'était pas sur le même ton. C'était parce qu'il y avait des coups de règle aussi qui volaient. Et qui volaient bien. Il y avait ça. Il y avait, par exemple, si nous sommes à l'heure voulue, Mathieu Fu, Maurice Garret, on apprenait ça en classe. Avec le chant du départ et puis la Marseillaise à la clarinette jouée par Aimé Savary. Donc, oui. D'autres instituteurs, j'en parlais justement par l'intermède de Poli, laissaient Picard dans la classe, dans la cour, et n'intervenaient jamais. Mais pas dans la cour. Ça, c'était la position d'Armel en tant qu'enseignant. C'était la position majoritaire. Oui, Savary, absolument majoritaire. Savary était un anarchiste. C'était une méthode freinée aussi. Pierre Duquet, qui sera évoqué pour les Amiens Noirs et qui sera évoqué par Jean-Pierre Calais pour les chez Dizon Acheteur, a écrit dans les années 50 des pièces, au moins une pièce de théâtre avec ses élèves en pure méthode freinée en Picard, hein, dans la classe, pendant la classe et en dehors de la classe. Et Pierre Duquet et son fils en témoignerait, Jackie, a voulu en fait que la pédagogie soit la continuité de la vie. Il n'y a pas une rupture quand la porte de l'école se ferme. En fait, la porte de l'école ne se fermait pas, quoi, tout bêtement. Voilà, elle restait ouverte. C'est ça aussi. Et donc, il y a ce lien. Parce que tout comme fait, notre premier lien social, c'est la langue. Il n'y en a pas d'autre qui soit premier. Il y a la loi, mais la loi, elle vient après la langue. C'est la langue qui fait qu'on est ensemble ce soir.
personne a été obligée de venir, on est venu, parce que la langue... Pas d'accord, là. Pas d'accord. Le premier lien social, c'est pas la langue. Le linguiste n'est pas d'accord. Le social, si le linguiste n'est pas d'accord, pas d'accord. Attention. Non. Parce que moi, je peux t'interrompre, Jean-Jean? Oh, oui, oui. Hein, bon, mais en t'écoutant là, parler des instituteurs, aussi, j'ai gardé en tête la question posée par Chantal tout à l'heure, et surtout la petite remarque qu'elle a faite en passant, sur le fait qu'au Moyen-Âge, ils n'hésitaient pas entre les deux langues. Bon. Mais non, mais c'est justement, c'est pas ça, justement. C'est qu'au Moyen-Âge, un Évident de Froidmont, il écrit en latin et en langue vulgaire. Voilà. Bon. Et ils avaient donc ce choix-là. Les instituteurs dont Jean-Luc parle maintenant, bien sûr, c'est des bigardisans. Mais d'un autre point de vue, on peut dire, c'est d'abord des bilingues. C'est d'abord des bilingues qui font une certaine organisation de leur bilinguisme dans la vie et dans la littérature. Bon. Et moi, j'ai l'impression que dans le contexte où on est, la réalité première, c'est ça. C'est qu'il y a ici une population essentiellement bilingue et qui, à mon avis, a toujours été bilingue. Je veux dire, depuis le Moyen-Âge, je pense que les gens qui parlent picard ne sont pas ignorants du français. Et que les gens qui parlent français dans cette région ne sont pas ignorants du picard. Maintenant, il y a des choix, il y a des dominants. Maintenant. Et donc, moi, il me semble que le sujet majeur, c'est qu'est-ce que c'est que cette population bilingue que l'on essaye de réduire à une population monolingue pour qu'ils oublient Picard et qu'ils ne sachent vraiment que la langue nationale. Et je crois que c'est aussi ça qui motive ce qu'on appelle un combat, hein, à savoir que on n'a pas envie d'être réduit au monolinguisme. En tout cas, vous me rassurez tous, parce que finalement, ce que j'ai fait dans le cabinet du secrétaire d'État à la culture, M. Luc, je ne sais plus quel était son prénom, en lui tenant tête là, véritablement, en disant ça, en disant ce que Savary faisait dans sa classe, à savoir apprendre le picard pour comprendre le français, c'est-à-dire dire qu'il y a un bilinguisme, c'est ce que j'ai fait à ma modeste mesure. Mais c'est aussi à partir de ça que tout le reste a suivi, d'une certaine façon. Il s'était gonflé parce que, à l'époque, rappelez-vous, les mouvements autonomistes étaient ceux qu'on servait en premier. Quoi. C'était le breton, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était uniquement parce qu'il y avait une menace politique. Quand on arrivait avec le Picard, ça faisait rigoler. Hein, ça faisait rigoler parce qu'on disait, attendez, comme l'histoire du pape, combien de divisions, quoi. Est-ce que la visite de Jourdan et le rapport Jourdan ont joué un rôle dans cette histoire-là ? Oui, la visite de Jourdan a joué un rôle, et je me souviens d'avoir été dans la salle, avoir posé beaucoup de questions. Il y a eu aussi la visite à Beauvais de Ben, le fameux Ben Vautier, enfin, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous. C'est ce grand pataphysicien, ou plus exactement cet agitateur incroyable, quoi, qui lui est un niçois et qui a défendu le niçois et défend toujours le dialecte niçois de façon incroyable, quoi, c'est un artiste. Et nous avons croisé le fer de façon invraisemblable, parce que lui, en tant que localiste, autonomiste, enfin ainsi de suite, et moi, défendant le Picard de façon plus, je ne sais pas quoi dire, enfin, plus classique en quelque sorte, et plus littéraire comme ce soir. Et il y a eu, en 81, hein, juste à l'élection Mitterrand, il y a eu ensuite toute une succession de mouvements, de reconquêtes linguistiques, hein, qui ont été, on s'est dit, c'est le moment ou jamais, ça avait commencé bien avant, hein, ça avait commencé 10-15 ans auparavant, et là ça se concrétisait auprès du, on disait, ah ben, les socialistes arrivent au pouvoir, on va pouvoir enfin donner en quelque sorte de redonner de la vigueur à toutes les langues, et puis on va pouvoir calmer les angoisses ou les inquiétudes ou les frustrations des Bretons, des Basques et des Corses, quoi. Et c'était à la fois une politique linguistique, mais qui était une aussi politique, hein. C'était lié. Alors, vous voyez que c'était à quel point c'était lié dans le contexte. Et donc, je vous disais, quand on arrivait tout à fait après tout le monde avec le Picard, on disait, mais c'est quoi le Picard, le petit Luc? Mais vraiment, quoi, c'était un vrai. Mais je dis, écoutez, justement, il n'y a pas de mouvement autonomiste. Thank you.
président. Voilà. Car j'ai ressorti, alors c'est d'où l'importance du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait une nation picarde à la Sorbonne, les patati patata, et qui ne correspondait à aucun schéma administratif. J'avais dit, voilà, c'est ça la force du Picard. Et c'est comme ça qu'en renversant, si vous voulez, que j'ai pu obtenir ce... Il existe toujours ce poste de détaché. Ah non, non, ça a disparu. Trois années scolaires. Ça a duré trois années scolaires. Et ensuite, c'est les DRAC qui ont repris. C'est la DRAC qui a repris. Il y a une convention. Il y a une convention. Un avenant de convention. Un avenant de convention, juste. Et puis une enquête, hein, une grande enquête que j'ai toujours dans mes papiers. Les questionnaires. Les questionnaires. On a envoyé un questionnaire à tous les instituteurs. À tous les instituteurs dans toutes les communes de Picardie. J'ai gardé, je crois que c'est dans mes papiers, ça c'est. Le jour que je suis tombé là-dessus, je me dis tiens. Et tout le monde a dit voilà, quel était l'état du Picard dans l'école, dans le village, enfin ainsi de suite. Donc ça aussi c'est assez historique, quoi, d'une certaine façon. Mais on ne fait pas de la nostalgie en disant ça. Ah, absolument pas, c'est pas ce que je suis venu faire. Ce qui est assez impressionnant, c'est que 25 ans après, oui. Un quart de siècle après, c'est quand même pas rien. Il y a peut-être des gens qui étaient pas nés. Il y a un quart de siècle après, par exemple, quand il y a le concours du Picard au collège, que c'est remporté par le collège de Moreuil, la prof Moreuil, elle a suivi ces cours-là il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu un tas, Michel Blondel, il y a un tas de graines qui ont été semées parce que, en plus des 3 heures de Jean-Marie François, en tant que détaché, il y avait des associations et notre amitié avec Françoise Rose. En termes vraiment très concrets, elle remonte à cette époque-là. Il y avait des gens comme Françoise Ross, Laurent de Labie, Chancheron, Jean-Pierre Semblat, enfin, un certain nombre de gens un peu partout dans les trois départements qui intervenaient réciproquement dans les trois départements. C'est qu'à 5 heures du matin pour aller à Voltairier, hein, en plein hiver. Et c'était grâce à Jacques Darras, dans une perspective de Picard à l'école, et de fabrication de documents pour les maîtres. Je me souviens que Jean-Marie François avait édité un petit bouquin bleu qui s'appelle « Piège un Picard pour chez écoles », parce que ces 3 heures de cours qu'il avait, il ne souhaitait pas mettre l'argent dans sa poche pour parler trivialement, mais il voulait que ça se concrétise en quelque chose, et donc s'il avait eu les sommes de l'époque en francs, vous imaginez ce que ça peut ressembler aujourd'hui, on va dire qu'il avait eu 5000 francs, il avait eu 1000 euros, et bien avec les 1000 euros, il avait imprimé un petit bouquin pour le distribuer gratos dans les classes, pour qu'il y ait du Picard qui soit fait à différents niveau de l'éducation primaire et du premier cycle du secondaire. Et donc il y a eu toute une effervescence et cette convention rectorat DRAC qui devait être unique en France. Je ne crois pas qu'il y en ait eu ailleurs. En tout cas, en langue romane, il n'y en a pas eu. Il y a peut-être eu en breton ou en alsacien. Ouais. Et donc on avait appelé ça le cycle des 8 lieux. Oui, c'est ça, de Nouvion conduit jusqu'à Voltairier, en passant par Moreuil. Après, c'était le cycle des 15 lieux. Alors, c'est, bien sûr, ça fait un peu ancien combattant, mais il y a un tas de choses qui reviennent de là. C'est-à-dire que le fait que, par exemple, à la même époque, Laurent Deville, quand il est revenu des États-Unis, il se bagarrait pour qu'il y ait du Picard à la radio qui s'appelait Radio France Picardie. Le combat n'a pas tellement changé, on l'a encore la semaine dernière avec France Bleu. Hein. La demande d'un centre culturel Picard. Et la demande n'a pas tellement changé. Si vous lisez le courrier Picard d'aujourd'hui, l'article qui doit être photocopié sur la page, là, c'est le journal interrégional du Picard la semaine prochaine à tourner. On est toujours dans cette perspective d'espoir. C'est marrant, les socialistes sont aussi à la région, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, une perspective d'espoir qui a été ouverte par le président Gévert l'année dernière. Hein, il nous a dit « Le Picard, je dis oui ». Voilà. Bon, il a conclu les journées en disant « Picard, je dis oui ». Bon, maintenant, il faut transformer l'essai. On a eu la Coupe du Monde de rugby, il faut y aller maintenant. Hein, taper dans le ballon. Donc, c'est ce qu'on lui dira la semaine prochaine. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère qu'on lui dira collectivement. Et par exemple, le fait qu'on soit ici aujourd'hui, c'est l'émanation de ça. C'est-à-dire que, quand je dis ici, accueilli par l'angle des cultures de Picardie, le centre culturel Picard voté à l'unanimité de tous les groupes par la région Picardie en Picardie il y a une bonne dizaine d'années, qui n'a jamais vu le jour en termes de lieu, mais s'est transformé en une agence régionale du patrimoine Picard, puis maintenant en un département réel langue et culture de Picardie. C'est l'émanation de tout ça.
C'est pour ça que cette époque-là, qui est bien symbolisée par ce bouquin, qui n'a pas que des qualités, on l'a dit, mais qui a certainement pas beaucoup de défauts. Quand même. Je trouve qu'il a beaucoup plus de qualités que de défauts. Voilà, et absolument. Et donc, ce bouquin est bien une étape importante. C'est-à-dire qu'il y a un socle à un moment, et on ne peut pas reculer. Quoi. Hein, c'est une cale, la bagnole, elle monte, il y a une cale qui a été posée. Bon, après, il faut toujours activer le moteur, il faut toujours mettre de l'énergie dedans. Ça, on sait bien, il faudra peut-être poser une deuxième cale un autre jour. Ces lieux à Viennois, je ne connais pas bien l'histoire des relations de l'animation Picard pour obtenir ce lieu prestigieux, inauguré par Gilles de Roubien, Mère Damien, en tant que maison du Picard, hein, dans un discours du Picard. Ça n'a pas été inauguré comme étant un théâtre pour des compagnies. Non, c'est pour la fleur. C'est pour que la fleur parle Picard. Ça a été inauguré comme ça. Le jumelage avec Guignol, ça a été rappelé. Hein. François, je ne trahis pas. Et donc, il y a toute une histoire qui fait que sur les 25-30 dernières années, il y a un certain nombre d'étapes très importantes qui ont été scellées, ici par un livre, là par un théâtre. Et c'est pas seulement. Ça demande une alimentation. On s'éloigne un peu du sujet, mais l'air de rien, la littérature. Mais j'ai pas l'impression qu'on s'éloigne du sujet. J'ai plein dedans, pour vous. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot. Tu me l'as pris de la bouche, c'est vraiment les vieux combattants picardisants. Je voudrais quand même souligner, parce que très souvent, et dans des livres tout récemment parus également, les anciens pionniers. Les anciens pionniers, quand même, les tout premiers pionniers, il ne faut pas oublier, ça a quand même été Jacques et moi-même, à la Maison de la Culture, quand dans la petite salle Jean Villard, nous faisions nos premières veillées picardisantes, et on a fait venir, parce qu'on est connu surtout par les cabotans, parce que ça fait 40 ans qu'on s'en occupe, mais il ne faut pas oublier que parallèlement, on a été les grands, et on est toujours les grands défenseurs et les tout premiers défenseurs, parce que vous étiez encore tout jeuneau à l'époque, de la littérature picarde. Et on a fait connaître dans cette salle, parce que justement on avait commencé en 70 à entrer à la Maison de la Culture, Dominique Eck nous a permis de... nous a ouvert ses portes pour la langue picarde sur notre travail réalisé avec les cabotans à chaque création que nous faisions là-bas. Et depuis, si vous voulez, eh bien, il y a quand même eu aussi à l'époque les premières veillées aux chandelles, le premier cabaret picard où on a fait les rats de bibliothèque et où... tu citais tout à l'heure Édouard David, eh bien, je voudrais tout sauver de l'oubli. C'est ce que nous avions eu, Jacques et moi, comme phrase pour lancer cela. Et là, ce soir, puisqu'on est tous réunis, très souvent, ça nous fait vraiment mal au cœur, parce que les vieux de la vieille, les deux vieux qui sont battus pendant des années, eh bien, maintenant, il y en a qui ne les connaissent même plus, et qui n'en parlent plus jamais. Même dans certains bouquins qui sont parus il n'y a pas très longtemps. Merci. C'est pour ça que j'ai commencé par la conclusion. Oui, je te remercie, Jacques. Merci beaucoup. Voilà. Je vais rajouter un petit mot à ce que dit Françoise. C'est que lorsque nous avons donné notre première entrée du Picard à entrer... Ah, oui, je vais faire rien. Non, je crois que j'ai pas besoin de ça. Oui, alors donc la première fois que nous avons ouvert les portes de la Maison de la Culture à la culture picarde, à l'issue du spectacle, Keck, qui dirigeait cette maison, est venu vers nous. Et nous a dit, c'est la première fois que je vois des gens sortir de la Maison de la Culture, le sourire aux lèvres, heureux, et d'avoir retrouvé leurs racines. Voilà.
ça, c'est vrai, il faut dire que Keck ne fait pas de spectacle très drôle. Je ne peux pas m'empêcher, il y avait beaucoup de qualités, mais je m'empêchais de faire ce commentaire, et c'est vrai que quand on va voir, et quand on va voir aussi la fleur, quoi, on ne peut pas sortir malheureux de spectacle pareil. Non, il n'y a pas que la fleur. Moi, c'est ce qui me pompe parce que nous, on est bouffé par la fleur. Alors moi, il y a des moments, ça me sort un peu des pores parce que ça me sort de la peau. Textes, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as repris. Ce sont des textes littéraires. Ah mais oui, mais aussi, mais je ne crache pas dessus. Mais il y a eu aussi des tas d'autres choses. Et des gens que nous aimons toujours par-delà la mort, que nous avons fréquentés, que nous avons reçus à la Maison de la Culture, comme Charles Lecas, comme Eugène Chivot, Charles Caron. Mais Charles Caron a fait ici 2 conférences sur Charles Caron. On l'a fait connaître déjà, Charles Caron également. Peut-être devons-nous, je ne sais pas, c'est par exemple moi que je suis simplement un hôte, mais c'est vous qui m'accueillez, et peut-être que nous voyons terminer cette séance. Merci de votre présence, merci de votre écoute. C'était une longue soirée d'une certaine façon de fraternité, et ça c'est très important. C'est très très important, et j'ai envie de vous féliciter pour ça, parce que pendant très très longtemps, tout ce qui tournait autour du Picard, des Picardisans, et ça peut s'expliquer, c'est une époque historique, était fait de rivalités, de conflits, c'est pas mal que d'une certaine façon ce soit apaisé de façon à ce qu'on puisse dépasser cela et avancer. Il faut avancer, quoi. Il n'y a rien à faire. On est condamné à cela. Et je pense que ce soir c'était bien. Alors merci à l'organisateur, M. Angela, merci à vous. Merci à vous.